tu te balades, non? D'accord. Mesdames et messieurs, je vais vous inviter à prendre place pour cette troisième journée du Ocean Pavilion. Vous êtes toujours aussi nombreux. Et voilà, je vous invite à vous rapprocher. Bienvenue pour les nouvelles têtes, bienvenue aux internautes qui nous suivent. Donc toujours, hein, ça commence par les petits détails techniques. If you want to follow the conferences, you have headphones, so don't hesitate to take it. This day, I hope the canal is the same one. Canal 1 for English, canal 2 for French. Donc n'hésitez pas à prendre des casques pour la traduction. Merci à vous de votre présence. Vous étiez plus de 500 à nous suivre hier sur les réseaux sociaux, sur les connexions Internet. Donc vous utilisez évidemment Ocean Call for G7 pour toutes les questions que vous avez à poser à nos intervenants, pour vos réactions, pour votre enthousiasme. Merci aux élus qui sont déjà parmi nous, ici le député, Madame la députée que je vois également au fond, Madame la députée Lassalle, Monsieur Jimmy Pain, Pierre Carleskine tout au fond. Je vous invite à prendre place pour ce début de conférence. On avait décidé de parler aujourd'hui du plastique de façon inspirante. Le plastique, il est au quotidien, donc ça peut être un objet à usage unique. Ça, c'est pas très ocean friendly. Et on souhaite plutôt généralement s'en débarrasser. On souhaite arriver à le faire, mais des fois, l'effort pour le faire, l'effort de penser à abandonner le plastique à usage unique, on a besoin d'un petit Jiminy Crinquet qui nous donne des conseils. Et comme on sait que maintenant, le digital is a new coaching, souvent on pense à des applis. Donc, je vais laisser la parole à Rémi Touja pour ce premier Inspirational Talks. Rémi, c'est à toi. Bonjour à tous. D'abord, bon, c'est 16h30. Qui veut un café? Ok. J'ai qu'une tasse, donc je vais quand même en faire un. Non, je peux pas. Non, ça va aller. Hop, pardon. Ça choque personne? Ça va? Qu'est-ce qui peut paraître choquant là-dedans? La capsule? Exactement. Alors on va être bienveillant, on va faire nos confessions, on ne se juge pas. Qui utilise ici des machines à café, à dosette? Levez la main, on ne se juge pas. Assumez, allez-y, moi ça m'est arrivé aussi. Ah voilà, merci. Qui veut le café du coup? Battez-vous. Ah, parce qu'il a été fait en dosette, vous en voulez plus. Ah, c'est pas grave. Bah, so-so. Voilà. Plus simple, qui a utilisé récemment un sac plastique à usage unique? Ok. Qui a bu dans une bouteille d'eau en plastique? Pour des sodas? Ok. Qui s'est doté d'une gourde pour éviter les bouteilles en plastique? Ah, dès que c'est positif, on lève plus la main, bravo. Qui a fabriqué son propre dentifrice? Ah, c'est plus compliqué. Qui se dit qu'il doit plus réduire ses déchets? Ok. Qui a envie de progresser dans sa réduction des déchets? Tout le monde ne lève pas la main, c'est pas normal. Ok. Bon, ce qui est marrant et plutôt rassurant, c'est que vous êtes quand même plus nombreux à vouloir le faire qu'à vous sentir obligé de le faire. Et c'est assez cohérent avec la vie des citoyens européens.
qui veulent réduire leurs déchets. Après, on peut se poser la question, pourquoi ils ne le font pas? Pourquoi ils ne le font pas suffisamment? Moi, je m'appelle Rémi, j'ai 36 ans, et comme tout le monde ici, je ne suis pas né avec une conscience écologique. C'est même plutôt le contraire. On m'a fait venir ici pour faire un discours inspirant, alors qu'il y a 20 ans, je ne triais pas mes déchets. Il y a 9 mois, j'étais accro aux dosettes en plastique, de café. Et encore ce midi, je mange un paquet de chips sur emballé. J'adore les chips. Et du coup, on peut se dire que je ne suis pas forcément la personne la plus appropriée pour vous inspirer, vous motiver à réduire vos déchets. Je ne suis pas vraiment un leader d'opinion du zéro déchet. Alors pourquoi je suis là? Déjà, je suis à l'origine d'un projet digital, comme l'a dit Antidia. Elle m'a dit « Bon, Rémi, ça serait cool, t'as fait un projet digital, une appli, c'est moderne, c'est cool, c'est fun, ça parle aux jeunes, et ça modernisait un peu nos 4 jours de conférence. » Ok, d'accord, très bien, on va essayer. Bon, je vais pas vous donner le nom de l'application, je pense pas que tu l'aies fait, parce que j'ai pas envie que vous la téléchargiez et que vous m'écoutiez plus. C'est écrit? Non, c'est pas écrit. Moi, ça fait 10 ans que je travaille chez Surfrider. Et en 10 ans, j'ai pu être sensibilisé de manière très forte aux déchets aquatiques et aux fléaux qui sont pour les océans. Et de cette prise de conscience, mon mode de vie a changé. Au début, j'ai mieux trié, parce que je le faisais très mal. J'ai commencé à arrêter les fast-food, le suremballage. Comme en fait, je croyais tout le monde, mais pas tout à fait, j'utilise plus de sacs plastiques, j'ai un tote bag. J'ai... une gourde pour plus boire de bouteilles d'eau en bouteille, je ne bois pas de soda. D'ailleurs, Grossard Rider, si vous les trouvez jolies, Pénélope ici est là pour vous en vendre, sinon vous les trouvez sur notre site internet. Oui, je m'occupe aussi de la levée de fonds chez Surf Rider. et en fait, je me suis dit, il y a quelques mois, que je produisais quand même encore beaucoup de déchets. Et depuis ces quelques mois, tout s'est accéléré. Je commence à privilégier le vrac, j'ai arrêté les fameuses dosettes. J'achète de plus en plus d'occasions. En gros, j'ai adapté un mode de vie minimaliste. Et je sais pas si ça se voit, mais ça va en fait. Je me sens bien. Je suis heureux. Je me sens pas contraint. Parce que souvent, on pense que changer d'habitude. Bah là, vous avez vu, j'ai fait un café en 1 minute top chrono. Si j'étais passé par une cafetière à piston ou une cafetière italienne, ça m'aurait pris 10 minutes. Mais en soi, c'est quoi 10 minutes? C'est pas grand-chose. Et je fais des économies aussi, et surtout je fais du bien à la planète. Et en vrai, ça permet aussi un peu de briller en soirée. J'aurais voulu dire qu'on est plutôt zéro déchet, qu'on fait soi-même sa lessive, ses cosmétiques, son dentifrice, ça donne un peu de conversation, sauf auprès des écolosceptiques. En parlant de soirée, je sais pas, ça vous est sûrement arrivé, vous rencontrez des gens, on vous dit « Tu fais quoi dans la vie ?» Moi, je suis un peu le Chandler Bing de Surfrider, c'est-à-dire que quand j'explique mon travail, personne ne comprend rien. En gros, c'est « Salut, tu fais quoi dans la vie ?»« Je travaille chez Surfrider. »« Ah, tu fais du surf ?»« Non, pas vraiment, je suis plutôt dans une association de protection des océans. »« Ah, et tu fais quoi là-bas ?»« Du fundraising et du merchandising via le digital. » Ça, c'est la personne qui ne comprend pas. En fait, je travaille sur une application qui permet d'apprendre aux gens à réduire leurs déchets. Ah, c'est cool, c'est moderne, c'est jeune et tout, ça parle. Voilà, c'est comme a dit Antidia quand elle a voulu que je parle ici. Voilà. Et cette application, dont je vais encore taire le nom, sinon vous n'allez pas m'écouter, vous allez la télécharger. En fait, j'ai voulu la faire parce que je suis parti de mon expérience et je me suis dit, comment initier les gens au zéro déchet? On voit qu'ils veulent réduire leurs déchets, mais ils ont plein de freins pour le faire. Moi, j'avais des freins. Les 3 qu'on a identifiés en faisant des études et aussi en se basant sur des études de l'ADEME, c'est qu'en fait, il y a 3 gros freins. Le premier d'entre eux, c'est que les gens ne savent pas forcément comment faire. Quand on a demandé aux gens comment ils faisaient pour réduire leurs déchets, la première chose qu'ils répondaient, c'est de dire « je trie mes déchets ». Sauf que trier ses déchets, c'est pas réduire ses déchets, c'est mieux les gérer. L'autre contrainte, c'est qu'ils trouvent ça compliqué, contraignant, de changer leurs habitudes. Et
Nous, ce qu'on essaie de faire, c'est de leur expliquer que bah, non, ça n'allait pas. Regardez, moi, je suis super heureux d'avoir réduit mes déchets. Et je suis là pour vous l'expliquer. Et la troisième chose, c'est qu'ils se sentent seuls. Parce que souvent, quand on agit seul, bah, on se dit bah, pourquoi moi je ferais ça alors qu'il y a plein de gens qui jettent leur mégot, qu'il y a des décisions politiques qui ne sont pas toujours prises, il commence à y en avoir, que des industriels continuent de polluer. Et à travers ces constats et mon expérience personnelle, j'ai passé 2 ans à travailler sur cette application pour toucher les jeunes, enfin les sensibiliser, pardon. Et à travers, l'idée, c'était de pas convertir les gens à du zéro déchet. C'est impossible. L'objectif zéro déchet, vous êtes venu en voiture, en vélo, vous avez vos smartphones et tout ça. On a une vie dans nos sociétés modernes qui rend impossible le zéro déchet. Par contre, on peut avoir une ambition zéro déchet. Et l'idée, c'est, comme pour moi, qui était nul, qui était le contraire de la personne éco-responsable, c'est d'initier le premier pas. 25 premiers petits pas qui permettent de changer significativement son rapport aux déchets. Et on a voulu faire des défis, 25 défis, qu'on a sur son smartphone. Et pour chaque défi, on a le même cycle. On prend un constat, on explique le problème sur l'environnement et on apporte une solution facile à intégrer. Par exemple, le premier défi d'Ocean Zero, c'est d'utiliser un tote bag plutôt que des sacs plastiques à usage unique. Aujourd'hui, sur Ocean Zero, il y a 75 000 personnes qui se sont engagées à ne plus utiliser de sacs plastiques. Ce qui représente 6 millions de sacs plastiques à moins par an dans les océans. Et c'est un peu ça la force de notre application, c'est qu'on a voulu faire une application qu'on utilise de manière individuelle pour progresser, mais dont on voit l'impact collectif. Parce que on voit que tous ensemble, en fait, ce tote bag que j'ai pris, plus les 74 999 personnes qui l'ont fait avec moi, ça fait 6 millions de sacs plastiques à moins dans les océans. Ok. Merci. Bon, ça aurait été une belle conclusion, mais bon, j'ai pas tout fait. Je vais quand même conclure. Donc du coup, aujourd'hui, on est plus de 75 000 à avoir commencé l'aventure Ocean Zero. Et moi, ce que je vous propose, avant de finir, c'est de vous lancer un défi pour ceux qui ne l'ont pas fait encore ou qui ne se sont pas initiés dans cette voie du zéro déchet. C'est de télécharger l'application Ocean Zero, qui est disponible gratuitement sur Android, sur iPhone, sans inscription. Elle est accessible pour tout le monde. Et de la partager demain, ou cet après-midi, ou ce soir, autour d'un café, sans dosette, à vos proches. Merci. Je ne bois pas de café, c'est pourtant l'heure de la sieste. C'est peut-être finalement l'heure de la sieste, ce qu'il était une fois. Il y a une dizaine d'années, j'ai rencontré Delphine. Delphine qui travaillait pour le CNID dans un bureau de la taille de cette estrade à peu près à Barbès pour le CNID, pour parler des déchets, pour parler de la prévention surtout et arrêter la mise en décharge. Et Delphine a une histoire à vous raconter, son histoire, comment en 10 ans d'un bureau tout petit à Barbès, elle est à la tête d'une coordination de 83 ONG qui sont engagées au sein de Break Free from Plastic. Delphine, the floor is yours. Donc je vous encourage à ne pas regarder l'application pendant que je parle. Et je vais parler en anglais, parce que j'ai 15 minutes et qu'en anglais, je dis beaucoup plus de choses. Donc si vous ne comprenez pas l'anglais ou que vous avez peur de ne pas tout saisir, n'hésitez pas à aller prendre un casque. And I need to think to switch the slides. Yeah? Je vais commencer. J'attends que vous mettiez tous vos casques. Mon bureau était en réalité un peu plus grand que ça, mais on se souvient des choses plus petites qu'elles n'étaient. Je voulais vous en
je voulais vous parler parce qu'aujourd'hui, on m'a invité à parler de moi-même. Ce n'est pas ce que je fais d'habitude. Je parle plutôt des gens extraordinaires qui travaillent avec moi au quotidien. Aujourd'hui, je l'ai trouvé. Aujourd'hui, je voudrais vous parler de Break Free from Plastic, se libérer du plastique. Pour ceux qui nous connaissent, ça représente plus d'un millier d'organisations qui travaillent ensemble pour lutter contre la pollution plastique tout au long de la chaîne de valeur. Ces chiffres ne cessent d'augmenter tous les jours. Et Surfrider est l'un des membres de notre organisation. En Europe, c'est mon travail, nous avons une coalition ou un mouvement qui rassemble 83 organisations. C'était il y a quelques mois. Regardez, c'est très important aujourd'hui parce que ça n'a pas toujours été comme ça. Ça, c'est en Europe, toutes les organisations qui sont engagées dans notre mouvement. Donc, toutes ces organisations ont des expertises depuis l'extraction du pétrole et du gaz pour faire du plastique, les produits chimiques, la conception des produits, etc. Et bien sûr, la gestion des déchets. L'un de nos grands projets, vous en avez peut-être entendu parler si vous travaillez à Bruxelles, c'est l'alliance Repenser le plastique. C'est une alliance de dix organisations qui travaillent sur la nouvelle politique des plastiques. Et ce qu'on a réalisé en 10 ans, c'est une directive sur les plastiques jetables. Au début, c'était notre objectif et on disait c'est un objectif fou, on l'atteindra sûrement jamais dans notre vie. Et 2 ans et demi plus tard, on y est arrivé. Et je voudrais vous dire comment on y est arrivé et comment ce mouvement est né. C'était une grande aventure et ça l'est toujours. En ce qui me concerne, c'est une expérience de croissance extraordinaire comme être humain de lancer un mouvement comme ça en Europe et de le diriger parce qu'il y a de nombreux défis, mais également on apprend des choses extraordinaires. En 2016, il n'y avait que 8 organisations. 3 ans plus tard, regardez, nous en avons 1500, moins 8, donc faites la soustraction. Nous avons beaucoup de nouveaux membres et nous avions un objectif commun, c'était de trouver une réponse à la crise de la pollution du plastique, c'était aller à la cause du problème et en disant que ce n'est pas un problème de l'océan, mais c'est un problème de toute la planète. Pour moi, ça a commencé avec cet homme qui est mon patron. S'il savait que j'allais utiliser cette photo un peu idiote, il ne serait pas content du tout. Mais deux semaines après avoir commencé mon travail, je devais travailler sur l'éco-design, sur une réglementation européenne. Il m'a dit, mais il y a ce truc de plastique qui commence. Peut-être que tu peux jouer un rôle. Je lui ai dit, bon, pourquoi pas. 2 semaines plus tard, on commençait à organiser la première réunion européenne sur la pollution plastique. Nous avions réuni 17 organisations. Et l'une des premières leçons que j'ai apprises, c'était de regarder derrière l'arbre pour voir la forêt. Et pour beaucoup de monde, et c'est comme ça que ça a commencé pour moi, la pollution plastique ressemble à ça. C'est le plastique sur la plage, dans l'océan, c'est les tortues avec un soulier dans le nez, les dauphins. On pourrait s'arrêter là, on pourrait dire, voilà, nettoyons les plages et on va résoudre le problème. Mais quand vous commencez à regarder de plus près, vous comprenez que si vous nettoyez la plage, la pollution va revenir. Parce que quand vous rentrez chez vous et qu'il y a une inondation, parce que vous avez laissé le robinet ouvert, si vous commencez à éponger le sol, l'eau va continuer à arriver. Ce qu'il faut faire, c'est pour résoudre le problème, c'est fermer le robinet. Donc, il ne faut pas seulement nettoyer l'environnement, mais nous nous sommes dit, mais qu'est-ce qui se passe en amont? Et c'est les produits chimiques dans les produits.
ça ressemble au plastique. C'est là qu'il y a le plus de produits chimiques et c'est la matière qu'on utilise pour emballer nos aliments que nous mettons dans notre bouche quand on se brosse les dents tous les jours. Peut-être que vous avez des brosses à dents en bambou, j'espère. C'est ce qu'on donne à nos bébés. C'est ce qu'on met sur notre visage quand on a des micro-perles. Dans cette question des produits chimiques est très importante et les produits chimiques sont invisibles. Donc c'est difficile pour l'être humain de rentrer dans l'invisible parce qu'on ne peut pas le toucher, c'est intangible. Mais c'est là qu'il faut aller. Parce que si vous commencez un plaidoyer pour le recyclage et que vous recyclez ça, ça va revenir. Vous l'aurez dans vos produits. Vous pouvez avoir des produits chimiques dans le plastique d'un ordinateur qui a des anti-flammes et que vous pouvez retrouver dans vos jouets ou dans vos cosmétiques ou dans les produits de nettoyage. Et vous ne voulez pas ça. Il faut également penser à la partie invisible du problème. Vous avez du plastique, par exemple, pour moi, je ne savais pas qu'il y en avait dans les serviettes hygiéniques que j'utilise tous les mois. Et c'est également une question d'inégalité, parce que les meilleurs marchés sont ceux qui ont le plus de produits chimiques. Donc ce sont les femmes pauvres qui sont le plus exposées. Donc c'est un problème des femmes aussi. Et c'est un problème que je ne peux pas ignorer en tant que femme. Donc on a commencé à en parler au niveau européen. Donc en remontant vers les causes du problème, il ne faut pas traiter les symptômes, je le répète. Il faut pas juste mettre un pansement sur le problème, il faut trouver la cause du problème. Ça, c'est la pollution plastique, elle commence là. Ça, c'est l'extraction des produits pétroliers. Ça, c'est un incendie dans une usine au Texas. Et voici ce que mon ami a reçu pour essayer d'isoler sa maison des fumées toxiques. On lui a donné du plastique. Donc, pour nous, c'est là que ça commence. Et pour moi, c'était vraiment ahurissant parce que je ne savais pas que ça existait, tout ça. Voici un gazoduc. Non, ce n'est pas un gazoduc, c'est une paille. Et il y a beaucoup d'autres produits plastiques que vous utilisez. On refuse le fracking en Europe, mais c'est ça qui alimente le plastique dans le monde entier. Et on a rien à apprendre au sud de la planète. C'est à nous de prendre nos responsabilités. Quand on pense du sud, on pense à ça. Et moi, à ça. Je pense à mes collègues qui reçoivent les déchets d'Europe, des États-Unis, et qui nous le renvoient pour qu'on prenne nos responsabilités. Quand on pense aux gens là-bas, vous pensez à des gens qui marchent pieds nus dans des décharges, qui sont tristes. Moi, je pense à ce garçon. C'est un héros. Il vit sans plastique depuis 10 ans et il ne travaille pas seulement au niveau individuel. Depuis 10 ans, il est un peu plus âgé que moi, mais pas beaucoup. Il travaille sur le développement d'exemples dans toute l'Asie du Sud-Est pour que les villes soient si propres qu'on peut manger par terre. On ne peut pas le faire dans la plupart des villes européennes. Ça serait un défi à relever, peut-être. Et ce type a changé le système. Il montre qu'il y a il y a le revers de la médaille. Et je pense à cette femme étonnante qui se bat pour que... Elle dit que les gens jettent les couches de bébés dans les rivières. Il y a 5 ans, ça n'existait pas. Depuis 5 ans, une société japonaise a commencé à vendre des couches pour les bébés. Avant, on les lavait, maintenant on les jette dans les rivières. Cette femme aussi,
en Tanzanie. Et enfin, comment créer un mouvement tel que celui-là quand vous n'avez pas d'argent, vous avez un tout petit bureau? Et il faut des gens, il faut des personnes. Et comment est-ce que vous impliquez les personnes? C'est tous ces petits poissons qui se rassemblent pour suivre un très gros poisson. C'est toutes ces énergies positives des gens qui travaillent pour changer leur mode de vie à la maison et leur dire ce que vous faites à la maison, c'est extraordinaire, mais si vous voulez vraiment changer le monde, nous devons nous occuper du système. Donc rassemblons-nous, travaillons ensemble, parce que vous avez une partie de la réponse. Moi, j'ai une autre partie. Cette autre personne a une autre partie. On a chacun une partie de la réponse. Mais pour avoir la réponse, nous avons de nous mettre ensemble. Parce que c'est un changement systémique qu'on veut faire. Ce qu'on a fait, c'est qu'on s'est beaucoup amusé. Si on n'a pas d'argent, si vous ne vous amusez pas, rien ne va fonctionner. Les gens ne vont pas venir à vos réunions. Mon collègue m'a dit, je suis allé à une réunion dans un mouvement et je me suis rendu compte combien, avec toi, c'est drôle, comment on s'amuse. On a des fleurs, on a des nuits culturelles où on montre à nos collègues notre culture dans nos pays. C'est beaucoup de bazar, mais c'est très intéressant d'apprendre nos cultures. On parle de nos différences, mais de nos ressemblances aussi. Donc, on a commencé à envahir les Nations Unies il y a 2 ans. Et ils ne parlaient pas de plastique. On est arrivé avec... pendant 2 semaines, on s'est concentré sur le plastique et les gens nous disaient... les délégués nous disaient, on veut vous rejoindre, on veut travailler avec vous. Quand on a de l'énergie, une énergie positive, les gens qui croient en ce qu'ils font, qui sont passionnés et qui le font avec un sourire, ça fonctionne. Et le travail qu'on fait est difficile. Là, c'est une activité étrange qu'on fait. On écrit sur le dos les uns des autres toutes les bonnes choses qu'on pense sur cette personne. Donc, vous rentrez chez vous avec une feuille de papier, avec des choses très agréables sur vous. Donc, quand le travail est très difficile ou quand vous perdez une bataille, vous lisez la feuille et ça vous regonfle. Mais la plupart de mes collègues travaillent dans des contextes où leur vie est en jeu. Mes collègues aux Philippines reçoivent des menaces de mort à cause de leur engagement pour protéger la planète. Donc, nous, en Europe, nous avons un contexte très privilégié. Il faut le comprendre. Ça nous met dans une position où non seulement il faut aider nos collègues, mais nous devons nous respecter et respecter nos engagements mutuels. Et on s'amuse beaucoup et on travaille et on est positif. Et on fait des efforts. Et c'est comme ça qu'on arrive à créer des relations avec les décideurs. Ce n'est pas une position d'opposition, mais on est maintenant les collaborateurs de beaucoup de décideurs à Bruxelles. Et cela a conduit à la directive sur les plastiques jetables. Je dis toujours aux gens avec qui je travaille, c'est une question de personne. Il faut comprendre... Ce qui permet de créer l'étincelle dans l'œil des décideurs. Il faut comprendre leur système de valeurs si on veut que ces personnes changent leur système de valeurs. Donc, il ne faut pas arriver avec des idées préconçues, il faut que ça change. Non, c'est comme ça, hein. Il faut que ça change, mais c'est avec une approche très douce et très lente qui est souvent plus puissante. La personne au centre de la photo, c'est le premier vice-président de la Commission européenne, M. Timmermans. Et pour l'anecdote, quand nous devions passer, au moment de voter la directive sur le plastique à usage unique,
je lui ai dit, qu'est-ce que vous en pensez? On va adopter, on est sur le point d'adopter ce texte, et vous devez être très, très content. Il m'a répondu, je devrais vous demander comment vous vous sentez vous-même, parce que vous et les ONG, sans vous, ça n'aurait jamais pu arriver. Et il souriait, il y avait un contact humain, rien de plus, bien sûr, parce que nous avions des relations professionnelles très respectueuses. Nous avons pu vraiment nous mettre dans une position où on pouvait conseiller ce qui devait être dans le texte et sur le fait qu'il fallait écrire quelque chose. Quand on a commencé, il n'y avait rien sur la table. Quand nous avons terminé, c'était prêt. On entend beaucoup de choses très déprimantes sur l'avenir. Il y a des menaces réelles sur l'avenir. Mais pour nous, la meilleure façon de prédire le futur, c'est de le créer. Et c'est ce qu'on fait avec tous ces personnes extraordinaires. Il y en a beaucoup ici, dans cette salle aujourd'hui, des personnes qui créent le futur en exposant l'histoire, en disant qu'on veut changer, en racontant l'histoire du plastique et en écrivant le nouveau chapitre de cette histoire, en montrant qu'un autre monde est possible, une autre façon de faire est possible. Et je suis très heureuse d'avoir travaillé sur ça pendant 3 ans. On s'est beaucoup amusé, on a pleuré beaucoup aussi. Je pleure aussi, et quand on travaille sur ça, c'est très difficile sur le plan personnel, mais tout le travail qui a été fait et les résultats de ce travail vaut toutes les larmes, toute la sueur, toutes les nuits sans sommeil. Et je suis très heureuse. Et je remercie tous ceux qui nous ont retrouvés, qui nous ont rejoints. Au départ, on ne savait pas où en aller, mais on savait que ça serait un voyage intéressant. Je vous remercie. Nous sommes tous des petits poissons faisant partie d'un banc de poissons plus grand qui peuvent relever ces défis. Je voudrais remercier la présence de la ministre en charge de la transition écologique et de la solidarité, Madame Elisabeth Borne, qui a répondu à l'appel du Ocean Call for G7 pour mettre cet océan au cœur des négociations du G7. C'est au cœur de nos vies, au quotidien. On espère que ça sera aussi au cœur des décisions des chefs d'État. Madame le ministre, je vous invite à vous rejoindre. Mesdames et Madame et messieurs les parlementaires, mesdames et messieurs les élus, mesdames et messieurs les présidents, directeurs et représentants d'associations, chers amis. Je veux tout d'abord vous remercier pour votre invitation et saluer votre mobilisation dans cette période estivale pour discuter de ce bien commun que nous chérissons tous, l'océan. Il est notre patrimoine, mais il constitue également notre avenir. Son rôle dans la régulation du climat, sa capacité d'absorption des émissions de gaz à effet de serre en font notre meilleur allié pour lutter contre le changement climatique. Nous le savons bien, on décrit souvent les forêts comme les poumons de la Terre et leur rôle est essentiel. Mais nous devons garder à l'esprit que les océans représentent un poumon encore plus important. Ils produisent en effet 50% de l'oxygène de la planète. On peut donc dire littéralement qu'une respiration sur deux provient de l'océan. C'est pourtant un allié bien négligé. Pollution plastique, acidification, surpêche ne sont que quelques-unes des maladies de l'océan dont nous sommes la cause. Les préserver, c'est bien davantage qu'un devoir pour les générations à venir. C'est une question de survie. C'est aussi simple que cela. Si le diagnostic est simple, les solutions, hélas, ne le sont pas. Vos échanges depuis le début de la semaine le montrent.
et vous avez à la fois abordé les défis climatiques et écologiques et les moyens de les relever, que ce soit en impliquant les acteurs du sport ou du tourisme durable, ou encore en se mobilisant contre les pollutions plastiques. Pour s'attaquer aux problèmes qui menacent les océans, pour y apporter une réponse, je crois essentiel d'en parler, d'échanger et de réfléchir ensemble aux solutions. C'est une très belle ambition et je voudrais saluer le travail remarquable accompli par la Fondation Surfrider Europe et la plateforme Océan Climat. Et je suis très heureuse que les océans, grâce à ce travail collectif, soient ainsi placés cette semaine au cœur d'un des plus grands rendez-vous internationaux, le sommet du G7. Certes, ce sommet du G7 ne parlera pas uniquement d'océans et d'environnement, mais ce thème sera central pour nous. En effet, si la priorité de la présidence française est la lutte contre les inégalités, il est clair que les inégalités environnementales engendrent souvent toutes les autres. Les dérèglements climatiques touchent davantage les pauvres que les riches, les femmes que les hommes, les pays en guerre que les pays en paix. Et nous ne pourrons résoudre aucun des grands problèmes du monde si nous ne protégeons pas notre planète. L'océan est un bien commun qui nécessite donc, pour le protéger, une mobilisation internationale. Je voudrais tout de même dire un mot de notre action nationale, car dans ce domaine, en matière d'océan, la France, qui possède le deuxième espace maritime mondial, a un rôle et une responsabilité particulière. Protéger les océans, c'est donc un axe prioritaire du plan biodiversité adopté en juillet 2018. L'ambition de ce plan est double. D'abord, favoriser au plan national la mise en œuvre d'actions concrètes. Ensuite, au niveau international, permettre à la France de soutenir un cadre mondial ambitieux pour la reconquête et la protection de la biodiversité. L'horizon est connu, la COP15 de la Convention sur la diversité biologique qui se tiendra en Chine l'année prochaine. Le gouvernement est par ailleurs pleinement engagé dans la création et la gestion d'aires marines protégées. Porter leur part à 30% d'ici 2020, dont un tiers sous protection forte, voilà notre ambition. L'inscription des terres et mers australes françaises au patrimoine mondial de l'UNESCO est une récompense et une aide précieuse dans cet effort que nous allons encore renforcer. Et j'ai bien noté l'enjeu de la représentativité des différentes façades. Là encore, nous ne portons pas cet effort qu'au niveau national, car ce serait insuffisant. Nous œuvrons également pour l'adoption d'un accord international qui soit juridiquement contraignant sur la conservation et l'utilisation durable de la biodiversité marine en haute mer. La haute mer est un univers fascinant à une époque où presque chaque mètre carré sur Terre a été exploré et attribué. La haute mer est l'un de nos derniers biens communs et donc nous devons le protéger tous ensemble. L'objectif de zéro plastique dans les océans est également pour la France une priorité nationale, européenne et internationale. C'est le thème de cette journée et c'est un défi qui me semble rassembler tous les enjeux du moment. 80% des déchets marins viennent de la Terre. Les trois quarts d'entre eux sont des déchets plastiques. Ils ne menacent pas uniquement la biodiversité marine, mais posent aussi des questions en termes de santé humaine. C'est pourquoi nous avons fait le choix de promouvoir une économie circulaire qu'un projet de loi sur la lutte contre les gaspillages viendra renforcer. Parallèlement, et pour répondre à cette urgence, la France est également engagée à adopter une feuille de route cet automne, fixant les étapes pour atteindre l'objectif de zéro plastique rejeté en mer en 2025. Comme dans toutes les batailles écologiques, le niveau local est primordial. Sans attendre l'adoption de cette feuille de route, nous avons souhaité accompagner avec l'ANEL, des ONG et l'ADEME des démarches volontaires.
Ainsi, la charte « Plage sans déchets plastiques » lancée cet été dernier connaît un vrai succès et je suis fière d'être venue aujourd'hui dans une ville, Biarritz, qui l'a ratifiée ce midi même. C'est un combat que je partage avec Brune Poirson, particulièrement mobilisée sur ce sujet. Car la plage de Biarritz n'appartient pas seulement aux Biarrois, vitrine du Pays basque, spot mythique pour les surfeurs du monde entier, elle appartient un peu à tous les amoureux de la mer. La responsabilité de développer une économie bleue et durable incombe également aux États. Nous devons construire un modèle permettant de vivre de la mer sans la piller. Dans ce cadre, je voudrais saluer l'intense concertation qui a été réalisée par les parties prenantes publiques et privées pour adopter des documents stratégiques de façade maritime. Ces outils de planification de nos espaces maritimes vont nous offrir un cadre, toujours perfectible, j'en suis consciente, pour promouvoir une économie maritime durable et l'atteinte du bon état écologique des eaux marines d'autre part. C'est une première en Europe et moi je m'en félicite. Plus largement, nous devons défendre les océans dans toutes les enceintes, que ce soit l'Organisation maritime internationale, à l'ONU ou dans des forums comme le G7. C'est d'ailleurs ce que nous ferons à partir de samedi, puisqu'il est prévu que les chefs d'État et de gouvernement adoptent une déclaration de haute ambition sur la protection des océans. Mais les États seuls ne peuvent pas tout. L'implication des acteurs économiques est essentielle, comme en témoigne la charte rassemblant les principaux armateurs et croisiéristes en cours d'adoption. En la rejoignant, les signataires s'engagent à diminuer les émissions de leurs navires et les nuisances sous-marines, ou encore à mieux équiper leurs bâtiments pour éviter les collisions avec la faune marine. En un mot, à mieux respecter l'environnement dans lequel ils évoluent. À ce stade, la quasi-totalité des acteurs français l'ont déjà adopté, et moi je m'en réjouis. Mais c'est insuffisant, notre combat doit désormais porter sur nos partenaires étrangers, et c'est un travail que nous mènerons sans relâche. Une autre initiative qui peut sembler de prime abord sans rapport avec cette journée sera présentée au G7. C'est une coalition de la mode durable, qui rassemble certaines des plus grandes entreprises mondiales du textile, dont je rappelle qu'il s'agit de la deuxième industrie la plus polluante au monde. Elle vise notamment à réduire l'utilisation des plastiques et microplastiques dans les vêtements, et ces plastiques, on l'a dit, se retrouvent in fine dans les océans. Donc tout est lié. Impliquer les États et les acteurs économiques, c'est bien, c'est même indispensable, mais c'est encore insuffisant et j'en arrive au cœur de mon intervention. Je parlais d'alliés. La préservation des océans en demande un grand nombre. Et ces alliés, ils sont ici aujourd'hui. Nous ne pourrons pas réussir si nous ne nous appuyons pas sur vous. Votre exigence, mais aussi votre expertise, nous oblige à obtenir des résultats et nous aide à y parvenir. Ça tombe bien, puisque cette exigence de résultats, je la partage, comme le président de la République. Il l'a répété tout au long de cette année de présidence française du G7. Il ne veut pas de discours, il veut des résultats. C'est pour cela également qu'il rassemblera des ONG demain à l'Élysée pour porter leur message au G7. Les cyniques connaissent trop bien l'adage « Quand tout aura été dit et fait, beaucoup plus aura été dit que fait. » Moi, je serai toujours du côté de celles et de ceux qui font, et je sais pouvoir compter sur vous. Naturellement, nous n'avons pas attendu la fin du mois d'août pour ouvrir le G7 à la société civile. Pour ne prendre qu'un exemple, dès le mois de mai, à Metz, la réunion des ministres de l'Environnement du G7 a pleinement associé la société civile tout au long de la séquence de haut niveau. Cette ouverture trop rare dans des forums comme le G7 peut sembler un choix audacieux, mais c'est en réalité une nécessité.
L'époque n'est plus aux réflexions en silo. Je crois que notre capacité à imaginer et à mettre en place des solutions concrètes dépend de notre coopération. La mise en commun des expériences et des idées, en somme, le partage des intelligences, voilà ce qui va nous permettre de relever les défis qui sont devant nous. Aristote a écrit « Il y a trois sortes d'hommes, les vivants, les morts et ceux qui vont sur la mer ». Je crois que les océans et ceux qui les chérissent constituent un univers à part, le plus précieux qui soit. On ne parle pas de planète bleue par hasard. Notre mission, c'est de la protéger. Je vous remercie encore une fois pour votre investissement de chaque instant dans la protection des milieux marins. Nous avons besoin de vous tous et nous avons besoin les uns des autres. En mer, c'est souvent une affaire d'équipage. Je vous remercie. Je préfère. Le temps qu'on enlève la tribune, je vous remercie. Ça fait, on le commentait ensemble, ça fait plaisir d'entendre une ministre parler de l'océan. C'est bon ? Les aléas du direct. De parler de l'océan avec conviction, et on espère justement que d'autres ministres, d'autres chefs d'État reprendront ce discours de la nécessaire transition écologique, de la nécessaire solidarité. Et je pense que c'est aussi le signe de ce pavillon, c'est de jouer collectif, de jouer ensemble, aussi bien les ONG à l'international que des entreprises engagées sur ce sujet de la préservation de l'océan, avec un sujet qui nous tient à cœur depuis 25 ans au sein de Surfrider, les premières collectes de déchets que l'on a pu organiser. Aussi, je vais faire la transition avec notre responsable des programmes environnementaux et de la question des déchets aquatiques, Christina Barrault, qui va venir modérer la première table de cet après-midi en lien avec la lutte contre les pollutions plastiques. Christina Barrault, merci. Merci Antilia. Je suis ravie d'avoir autant d'applaudissements que la ministre. Bonjour à tous. Donc, comme l'a dit Antilia, je m'appelle Christina et je suis en charge des programmes sur les déchets aquatiques au sein de Surfrider Foundation Europe. Et j'ai la joie de modérer cette première table ronde, ce premier talk qui va ouvrir le travail sur les journées océans et la pollution plastique. Je vais tout de suite appeler les intervenants à la table ronde, s'il vous plaît. Angela, you can come. Yeah. Bénédicte, Lucille, Benoît, Pierre, et je crois que j'ai oublié personne. Je vous installe. Bienvenue. La pollution plastique, vaste sujet. On a déjà un petit peu parlé hier, lors de la table ronde sur la biodiversité, il y a deux jours, quand on a parlé de tourisme durable, preuve que les océans, quand on pense océan et qu'on pense aux principales menaces qui pèsent sur les océans, on pense forcément à la pollution plastique. Et c'est effectivement une des principales menaces, mais c'est aussi une des plus tangibles et une des plus connues. Comme le disait Delphine tout à l'heure, quand on pense pollution plastique, on a tout de suite des images qui nous viennent en tête d'un phoque avec un filet de pêche enroulé autour du cou, ou alors on a tous entendu parler d'une baleine qui avait absorbé trop de plastique et qui s'est échouée, et dont on a fait l'autopsie, qu'on a trouvé des kilos de plastique, ou alors on a peut-être vécu des expériences en allant à la plage, en voyant un mégot nonchalamment posé à côté de notre serviette, ou alors nager en plein milieu avec du plastique. Alors certes, c'est la pollution qui est visible, c'est la pollution qui arrive sur nos côtes, mais il y a aussi tout un tas d'autres types de pollution dans les océans qui est plutôt invisible, soit parce qu'elle a coulé, et je crois que François Galgani nous montrera tout à l'heure un film avec les fonds marins, pour que vous voyez l'état des fonds marins, soit parce qu'elle est invisible plutôt à l'œil nu. Et ça, c'est plutôt la pollution microplastique. Aujourd'hui, on a vraiment une pollution qui atteint toutes les strates de l'océan, les fonds marins,
des zones qui n'ont, où il n'y a aucune activité humaine, des atolls au milieu du Pacifique, ou même l'Antarctique, ou même la fosse des Mariannes. Et on en parle énormément, on a une espèce de prise de conscience, on est tous d'accord pour dire qu'il faut faire quelque chose. Et en plus, ça finit par atteindre aussi des choses qui affectent l'être humain. On en a dans l'eau qu'on boit, dans l'air qu'on respire, dans la nourriture qu'on mange. Et ça, c'est problématique. C'est problématique, même si l'OMS a sorti aujourd'hui un rapport disant que la quantité de microplastique présente dans l'eau potable n'était pas dangereuse pour la santé humaine. On est quand même tous d'accord pour dire qu'on n'a pas vraiment envie de boire de l'eau avec du plastique dedans. Preuve que même si ce n'est pas potentiellement pas dangereux, en tout cas dans les concentrations infimes qui sembleraient être présentes dans les bouteilles en plastique ou l'eau potable, on a quand même une certaine méfiance vis-à-vis du plastique. Alors paradoxalement, on a une pollution plastique dont tout le monde a conscience, dont tout le monde est vraiment conscient, excusez-moi. Je me suis laissée perturber par « il me reste 2 minutes ». Mais paradoxalement, la production plastique n'a jamais été aussi en forme. Il faut savoir que la production plastique a augmenté donc de 200 fois depuis les années 1960, 3 fois plus de production plastique en 25 ans. On est aujourd'hui à peu près à 350 millions de tonnes de plastique qui sont produites chaque année, et cette production va continuer à augmenter. On estime qu'elle augmentera à peu près de 30% d'ici à 2025. On dirait que je vous fais un petit exposé, un problème mathématique avec tous ces chiffres, avec des tiers, des pourcentages, etc. Mais le but, c'est que vous compreniez que la production plastique, pollution-production, va continuer à augmenter puisqu'il y a une vraie demande. Alors, qu'est-ce qu'on fait ? C'est toute la question de ce panel. On va réfléchir à qu'est-ce qu'on fait, comment on peut lutter contre cette pollution plastique, quelles sont les initiatives possibles. Mais je vais déjà vous donner un petit avant-goût. Il n'y aura pas de solution magique. Et on ne va pas un jour arriver avec une machine, une innovation technologique qui va nettoyer les océans. On n'aura pas un champignon mangeur de plastique. C'est vraiment une réponse globale de tous les acteurs, de toute la société qu'il faut apporter. Et vraiment prévenir. On ne va pas pouvoir continuer à produire et consommer le plastique tel qu'on le fait. Je vais tout de suite laisser la parole à mes intervenants. Donc on va commencer avec Bénédicte Genot du ministère de la Transition écologique et solidaire, qui va parler plutôt du contexte international, parce qu'elle est chargée de mission plan d'action milieu marin, déchets marins et coopération internationale, et qui va poser le contexte international parce que les déchets plastiques et la pollution plastique ne connaissent pas de frontières. On passera la parole ensuite à Pierre Karleskin, océanographe de formation et fraîchement élu au Parlement européen, qui est notamment à la Commission pêche, qui va nous parler de qu'est-ce qui est en cours au niveau de la Commission européenne et qu'est-ce qui est en cours au niveau de l'Europe, des législations. Et je laisserai la parole ensuite à Angela qui est de Surfrider US, donc Surfrider Foundation, le vrai, l'original en tout cas, et qui nous fait le plaisir d'être ici aujourd'hui, qui va nous parler des actions menées par Surfrider qui ont inspiré nettement les actions de Surfrider Europe. Donc je vous laisse la parole pour parler réglementation et qu'est-ce qui est fait au niveau de la réglementation pour lutter contre la pollution plastique. Est-ce qu'il fonctionne ? Oui ? C'est bon, merci. Alors voilà, je vais passer sur l'introduction. Merci à Surfrider d'avoir l'organisation de ces journées. Je vais passer assez vite sur la réalité que sont les déchets marins, puisque déjà, Christina, tu es aussi intervenue dessus. Donc en fait, une pollution à la fois visible, puisque c'est une pollution qu'on trouve sur notre littoral, qu'on trouve également à la surface des eaux, mais aussi dans la colonne d'eau et moins visible sur les fonds. Et puis une pollution qu'on voit encore moins, donc pollution microplastique, soit parce que des produits en contiennent ou parce que les plastiques se sont désagrégés et ont formé des microplastiques. Et également une pollution parce que les plastiques vont relarguer des polluants qu'ils peuvent contenir également dans les milieux. Et dans le milieu marin, vont aussi pouvoir être vecteurs d'espèces et de polluants. Avec une origine diverse, même si on sait, et ça a été rappelé, qu'on considère que 80% des déchets en mer proviennent de la terre, avec des activités au niveau des bassins versants et des plastiques qui transitent pour rejoindre les milieux marins par les fleuves et d'autres réseaux d'eau usée ou pluviale, déchets sauvages, enfin voilà. Également des activités au niveau des touristiques, perte de containers, donc vraiment des réalités assez diverses dans la problématique. Et des impacts sur les écosystèmes en termes d'enchevêtrement d'espèces, d'ingestion, et des impacts sur les activités socio-économiques aussi. Quand on a une plage polluée,
ou quand on a des activités de pêche qui ramènent aussi des déchets dans les filets, voilà, ça a aussi un impact sur les activités. Alors, pour passer au contexte international et en fait un focus particulier sur ces instances dans le temps qui m'est imparti, et j'espère que je ne vais pas déborder. J'espère aussi que je serai en mesure de répondre à toutes vos questions, puisqu'en fait, c'est une problématique large qui appelle des solutions sur différentes organisations internationales et où, du coup, différents panels du ministère sont engagés. Alors, tout d'abord, pour vous donner un peu la position de la France au sein de ces instances, ça a été rappelé, une fois que les plastiques sont en mer, la récupération est difficile, très coûteuse. Et en plus de ça, n'a pas de sens si on ne prend pas en compte que les plastiques continuent à arriver dans le milieu. Donc la position de la France, et c'est la position qu'on a lors des négociations internationales, c'est vraiment une position de prévention à la source et de favorisation du réemploi et dans, vraiment dans une logique d'économie circulaire. Également, c'est, donc là je ne vais pas pouvoir en parler, mais c'est tout un panel de mesures qui ont commencé à être évoquées sur les actions nationales pour lutter contre les déchets sauvages, pour la feuille de route, pour arriver à l'objectif de zéro plastique rejeté en mer en 2025, et également de sensibilisation du public. Alors, pour ce qui est des Nations Unies, tout d'abord, donc dernière actualité, c'est l'Assemblée des Nations Unies pour l'environnement qui a eu lieu en mars à Nairobi, de mars de cette année, et qui a adopté deux résolutions qui nous intéresse pour les déchets marins, en particulier la pollution plastique. Donc une résolution en termes de gouvernance pour lutter contre les déchets marins et les microplastiques, et une résolution pour ce qui est le plastique à usage unique. Donc je ne vais pas revenir peut-être sur ces deux résolutions, puisqu'il me reste déjà plus beaucoup de temps. Mais voilà, en fait, on a du coup une réduction significative du plastique à usage unique d'ici 2030, et on a également donc la création d'un groupe ad hoc, d'une continuation de négociations au sein d'experts pour envisager également la possibilité d'un traité juridiquement contraignant et le meilleur partage des recherches scientifiques sur le sujet. Il y a également tout ce qui est un travail au niveau des conventions de mer régionale. Alors, conventions de mer régionale, c'est en fait des outils de coopération entre États pour préserver le milieu marin. Et donc, je vais vous faire un focus plus particulier sur la convention de mer régionale OSPAR, donc pour l'Atlantique Nord-Est, et la convention de mer régionale Barcelone pour la Méditerranée, et leur plan d'action pour les déchets marins. Donc, en fait, il y a des réunions qui ont lieu régulièrement pour faire un point sur les plans d'action, avec des actions diverses, que ce soit au niveau interdiction des sacs plastiques à usage unique, mise en œuvre d'amélioration de la collecte des déchets dans les ports, également prévention à la source de granulés plastiques industriels, et également tout ce qui est aussi suivi des plastiques au niveau des sédiments de plage, au niveau de ce qu'on peut retrouver dans les estomacs de certains oiseaux, et vraiment l'échange de bonnes pratiques au niveau des États. Au niveau de l'Union européenne, je ne vais pas m'attarder dessus puisque ça va être abordé ensuite, mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'on a donc une directive plastique usage unique et engin de pêche qui va interdire un certain nombre de produits à usage unique et qui aussi prévoit la mise en œuvre d'une filière de collecte et de valorisation des engins de pêche. Également, négociations ont lieu au cadre de REACH, donc le règlement REACH pour en fait, restreindre les microplastiques dans les détergents, dans les cosmétiques, dans les fertilisants. Et la directive sur les installations portuaires, je voulais aussi mentionner, qui prévoit un système de redevance découplée de la quantité de déchets qui sont amenés en port pour favoriser la collecte des déchets. Voilà, donc du coup, action au niveau des Nations Unies, grande action aussi au niveau des conventions de mer régionale et de la coopération entre États, action au niveau européen et aussi, en fait, action au niveau de d'autres groupes internationaux et d'autres conventions et instances qui ne traitent pas particulièrement du sujet des déchets marins en propre, mais pour lesquels on peut aussi inclure des dispositions, notamment la convention de Bâle, qui, en fait, à l'origine, porte sur les mouvements transfrontiers de déchets dangereux. Donc, tout récemment, la problématique du plastique a été inclue dans la convention. Et maintenant, donc, pour les transports de plastique, il y a une procédure d'information et de consentement préalable. Également, donc, les récifs coralliens, puisqu'on sait que les microbilles en plastique ont un impact sur les récifs, une recommandation a été prise au niveau de l'ICRI. Au niveau de l'Organisation maritime internationale, c'est également des négociations pour prévenir la perte des containers et également
améliorer leur localisation. Et enfin, donc je vous ai mis G7 et G20 puisque nous y sommes, des plans d'action contre les déchets marins ont été pris dans le cadre du G7 et G20. Donc la ministre l'a rappelé, un certain nombre déjà d'événements ont eu lieu lors du G7 environnement. Et le but, c'est vraiment d'aller vers des initiatives concrètes et la recherche de coalitions. Et je finis là-dessus. Oui, tu vois que super. Je prends le micro pour t'arrêter. C'est bon. G20 aussi, une grande priorité sur les déchets marins. Et avec des réunions qui vont avoir lieu aussi cet automne pour aussi partage d'expériences et voir comment on avance plus loin et un suivi de la mise en place des plans d'action. Je n'interviens pas aussi sur tous les volets connaissances dans le cadre, les experts dans le cadre desquels les experts du ministère interviennent. Pour tout ce qui est surveillance et action de recherche sur les plastiques, notamment. Et j'en ai fini. Merci beaucoup. Bon, bonjour à toutes et bonjour à tous. Je vais pouvoir parler de la partie européenne, effectivement, que vous n'avez pas aborder trop en détail, mais simplement pour redire, et d'ailleurs j'en profite pour saluer, puisque je la vois au fond, ma collègue Catherine Chabot, qui est également députée européenne à mes côtés depuis, enfin à mes côtés, nous sommes tous les deux députés européens depuis maintenant quelques semaines. Alors sur l'Union européenne, l'Union européenne a pris ce sujet depuis maintenant un petit moment. En 2016 était lancée la stratégie plastique. Et je crois que ce qui a été... Non, c'est bon, je parle pas, ça... Voilà. Je sais en plastique en plus, donc j'en peux pas. J'étais en train de dire des bêtises, évidemment. Non, je disais, vous l'avez très bien montré, en fait, et on le voit à travers les différentes organisations qu'il faut mobiliser. En fait, la lutte contre le plastique est vraiment fondamentalement... nécessite vraiment fondamentalement une approche multisectorielle. C'est pour ça qu'on est obligé d'aller chercher, c'est pour ça que finalement vous nous avez présenté dans les discours d'inspiration au début tout ce panel d'associations qu'il faut pouvoir mobiliser pour y arriver. Et donc dans la stratégie plastique, il y a aussi une approche multisectorielle qui doit être mise en place. Donc il y a une directive sur la réduction de l'incidence de certains produits en plastique, ça a été évoqué sur l'interdiction des produits sur les couverts en plastique, sur les pailles d'ici 2021, des exigences en termes de marquage et de recyclage d'un certain nombre de produits en plastique. Et puis concernant les engins de pêche, qui sont un sujet un petit peu particulier, parce qu'ils sont vraiment très directement impactants sur le milieu sur les milieux marins, eh bien il y a un certain nombre d'exigences qui ont été mis en place sur le taux minimum de collecte et sur la possibilité aussi, enfin sur l'obligation faite aux producteurs de ces filets de récupérer ces filets. Au fond, on est vraiment dans l'idée toujours d'aller récupérer finalement le produit quand il est en fin de vie. Il y a la directive sur les installations de réception portuaire, vous l'avez évoqué. Au fond, les bateaux, eh bien, un des moyens pour qu'ils ne rejettent pas leurs déchets par-dessus bord, c'est encore qu'on puisse récupérer les déchets à un moment ou à un autre, et en particulier quand ils sont au port. Et c'est vrai qu'un certain nombre de ports n'étaient pas équipés pour pouvoir faire ce travail. En 2015, il y a aussi eu une stratégie sur l'économie. Sur l'économie circulaire, pardon, je vais y arriver, avec la directive 4 sur les déchets qui approche la question de effectivement la source des déchets, donc prendre le plus en amont possible de façon à également prendre des mesures pour enrayer la production des déchets marins. Il y a une directive sur les emballages, sur les déchets d'emballage. Là aussi, on est vraiment... C'est pour ça que je les cite chacune, parce que vraiment, je veux illustrer cet aspect nécessité d'avoir une approche multisectorielle. Alors, comment est-ce qu'on continue ce travail, puisque finalement, les directives... Alors, une directive, c'est quoi? C'est un texte qui est voté par les instances européennes, mais après, chaque État membre de l'Union européenne doit la mettre en place dans son État. Donc, il va y avoir forcément, au fur et à mesure des années, des moments d'évaluation de la mise en place dans chacun des États membres.
et d'évaluation des résultats. Ça a été évoqué par la ministre, assez de discours des résultats, mais ça va être le moment aussi, au regard de ces directives qui ont été mises en place depuis maintenant un certain nombre d'années, eh bien de voir on en est où des résultats, comment est-ce que ça avance. Je crois aussi que l'Union européenne doit jouer un rôle extrêmement important, qui est celui d'entraînement de l'ensemble, d'entraînement, j'allais dire, au moins de travail à faire avec le reste du monde, et en particulier au regard des pays qui produisent les produits que nous achetons dans l'Union européenne. Parce qu'on ne peut pas, effectivement, et c'était très bien illustré au début, on ne peut pas à ce point donner des leçons au monde entier, ce que nous devons bien nous garder de faire, alors que nous faisons produire la plupart des produits en plastique que nous utilisons à l'autre bout du monde. Et c'est bien parce que l'Union européenne est la première puissance commerciale du monde qu'il faut absolument pouvoir travailler, emmener. Moi, je prendrai un certain nombre d'éléments, mais que vous avez abordés aussi dans ces éléments. Il y a, puisqu'on parle beaucoup des accords de libre-échange, mais je prendrai simplement aussi qu'il y a un accord océanique Union européenne-Chine et qui parle en particulier de la pollution plastique. Il y a aussi un accord sur l'Union européenne et Canada, qui est d'ailleurs extrêmement récent, avec un certain nombre de coordinations de programmes scientifiques, mais aussi d'échanges de bonnes pratiques, d'échanges de façons de réduire les pollutions par les océans. Et je pense qu'on n'a jamais trop de bonnes idées dans le monde. On manque le plus souvent d'échanges de bonnes pratiques pour pouvoir avancer ensemble sur tout ça. Donc, je ne vais pas rentrer dans le détail de tous les financements que l'Union européenne apporte, mais vous l'avez vu, une approche multisectorielle, parce qu'on voit que les sources sont très nombreuses, les conséquences sont également très nombreuses. Évidemment, on a parlé du fait, alors on parle souvent du fait qu'on n'a pas envie de boire des petits morceaux de plastique, mais quand on parle du filet de pêche qui reste au fond de l'océan, il continue à pêcher, bien que le filet, il pêche pour rien en fait, mais c'est aussi les microplastiques. Je voyais, je suis brestois, je voyais un certain nombre de laboratoires de recherche à Brest, et je finirai là-dessus, qui sont en train d'étudier l'influence du microplastique dans la composition de tout petits agrégats d'algues, puisque les toutes petites algues parfois se rassemblent et font des tout petits agrégats. Et quand ils font des tout petits agrégats, les algues coulent au fond de l'océan, et c'est une façon que l'océan a, et c'est extrêmement efficace parce que ça se fait sur l'océan entier, c'est une façon que l'océan a de capter le carbone de l'atmosphère et de l'envoyer au fond pour de très longues années. Et donc, quand on parle du rôle de l'océan dans le changement climatique, eh bien, c'est un des éléments extrêmement importants. Mais sauf que ces petits agrégats, maintenant, ils captent des petits morceaux de plastique. Et les petits morceaux de plastique, ils changent la flottabilité de ces agrégats. Et donc, ils peuvent modifier à terme, et ce sont les études qui sont en cours, la capacité que l'océan a de mitiger, comme on dit en anglais, le réchauffement climatique. Donc, on voit que l'influence des microplastiques, il est bien plus important que ce qu'on peut éventuellement imaginer encore aujourd'hui. Et c'est pour ça qu'il faut avoir ces approches à la fois multisectorielles et sur l'ensemble des valeurs, en étant capable de mobiliser tous les acteurs. Voilà, simplement les quelques mots que je voulais dire sur le plastique et l'Union européenne. Merci beaucoup. Preuve que la réglementation avance et va dans le bon sens. Maintenant, je vais passer la parole à Angela. Angela, the floor is yours. Qui va nous expliquer justement toutes les actions menées aussi par Surfrider Foundation pour lutter contre le plastique, et notamment le plastique à usage unique. Thank you, Christina. Merci, Christina. Je vais vous parler en anglais. Je voulais passer quelques minutes à vous parler de ce que nous faisons aux États-Unis depuis quelques dizaines, quinzaines d'années. Et ce que nous fait à Surfrider, merci de nous avoir dit que nous avons inspiré Surfrider Europe. Je pense que vous avez été une inspiration pour nous. Et nous avons dit que nous disons que Surfrider Europe, c'est une inspiration pour nous tous. Voici une petite vidéo qui va vous montrer les victoires concernant la pollution plastique, qui sont devenues tellement connues que certains États ont approuvé des lois en faveur de cette lutte contre la pollution plastique. Est-ce qu'on peut mettre cette petite vidéo? Yeah.
Donc, pour vous décrire cette vidéo, ça commencera à San Francisco en 2007. Et ensuite, il y a 150 autres municipalités où il y avait des interdictions contre le plastique à usage unique avant l'approbation de législation au niveau des États. Finalement, le législateur au niveau de l'État a accepté, tout d'abord en Californie en 2014, malheureusement, l'industrie du plastique a fait un travail de lobbying et nous faisons encore nos achats et nous avons prouvé que nous pouvons éliminer le plastique. Maine, Oregon, Washington, Maryland et d'autres États ont pris de l'action, des mesures avec des interdictions ou de la législation. Il y a beaucoup de lois qui interdisent les plastiques, les pailles, les couteaux et fourchettes à usage unique. Donc, par exemple, au Vermont, ils ont vraiment fait approuver une loi avant-garde. Mais avec toutes ces merveilleuses actions qui se passent sur le terrain, il y a également un phénomène qui s'appelle la préemption de l'État. Et c'est lorsque l'État enlève les droits le droit des municipalités à approuver ce genre de loi. Donc en Floride, l'État de Floride a dit que Miami, les villes de Floride, ne pouvaient pas approuver ce genre de loi. Il fallait le faire avant au niveau de l'État. Et bien entendu, ils n'ont rien fait. Dans 13 autres États, comme vous voyez ici, on voit l'interdiction de mesures sur le terrain. Normalement, l'interdiction des plastiques à usage unique. Et finalement, pour vous parler un petit peu de ce qui se passe au niveau fédéral, nous parlons beaucoup de modèles compréhensifs que nos législateurs fédéraux pourront utiliser. À Software Foundation et l'UCLA, nous avons fait quelques présentations au mois de janvier avec cette brochure. Et nous avons pu convaincre un sénateur et un représentant de se mettre ensemble pour proposer un projet de loi d'avant-garde. Et ça sera introduit peut-être cet automne. Merci. Maintenant, on a parlé un petit peu législation, on a parlé de qu'est-ce qui pouvait être fait au niveau de la réglementation. On va passer à Lucille Courtial de l'association BIMED qui fédère et aide les acteurs, notamment les acteurs locaux, avec des initiatives et qui va parler plutôt des initiatives locales, si je ne me trompe pas. C'est ça, merci. Bonjour à tous, merci d'être là. Alors moi, je vais vous parler de Beyond Plastic Med, qui est une association qui a été lancée il y a 3 ans par la Fondation Prince Albert II de Monaco, avec ses partenaires, dont Surfrider, et qui vise à lutter contre la pollution plastique en Méditerranée en agissant à la source. Il ne s'agit pas d'aller nettoyer la Méditerranée, on sait que ce n'est pas possible pour l'instant. Donc l'idée, c'est de se concentrer sur l'origine du problème et la source du problème. Donc nous, on a décidé d'essayer de soutenir financièrement d'autres associations tout autour de la Méditerranée qui ont des projets pour réduire la pollution plastique en Méditerranée. Donc on a commencé il y a 3 ans avec notre premier appel et depuis on en est à 38 projets tout autour de la Méditerranée qui ont cet objectif commun. Alors les projets, ils ont plusieurs
il rentre dans plusieurs catégories. La première, la plus classique, c'est la sensibilisation. On sait que c'est très important de faire connaître le problème et d'engager les gens, de les sensibiliser au problème, de leur fournir des informations sur comment, à leur échelle, ils peuvent lutter. Donc on a par exemple une initiative qui est en Turquie, qui s'engage avec les enfants. Et l'idée, c'est de sensibiliser les enfants et ensuite de les engager, eux, à aller sensibiliser d'autres personnes. Première catégorie, donc, sensibilisation. Après, on a des projets qui rentrent dans le cadre d'essayer de mobiliser les acteurs par secteur. Par exemple, à Chypre, on a une initiative sur le secteur du tourisme, donc où il y a à la fois des actions avec les touristes sur les plages, mais aussi avec les dirigeants des hôtels, des buvettes, etc., pour les sensibiliser aux problèmes, leur fournir des alternatives et les engager à changer leur mode de fonctionnement. Et bien sûr, en engageant et aussi les autorités locales qui sont responsables de la gestion des plages, du traitement des déchets, etc. Donc ça, c'est la deuxième catégorie. Ensuite, on a des initiatives qui sont plutôt tournées sur la réglementation. Par exemple, dans les Baléares, on a une initiative où ils travaillent sur la réglementation actuelle, sur la réduction des produits à usage unique. On a aussi en Albanie une initiative qui vise à détaxer, enfin, ou réduire les taxes pour les commerces qui s'engagent sur ce problème de la pollution plastique. On va aussi avoir des initiatives qui cherchent à mettre en avant les alternatives et la réutilisation du plastique. Au Maroc, par exemple, on a une association qui récupère les sacs plastiques dans l'environnement et qui utilisent des techniques de tissage traditionnel pour en faire des sacs de mode, d'autres types d'objets, etc. Et enfin, la dernière catégorie, c'est la collecte de données. On sait que c'est un problème, on n'a pas suffisamment de connaissances sur certains sujets, notamment les microplastiques, et c'est le sujet qu'a choisi MedSOS, c'est une association en Grèce, qui va essayer de déterminer la source de ces microplastiques pour trouver les secteurs qui en sont responsables et après proposer des solutions qui soient le mieux adaptées au problème. Donc voilà un panel et un aperçu des différentes initiatives qu'on soutient. Notre objectif, c'est dès 2023 d'avoir soutenu 100 associations autour de la mer Méditerranée, en incluant au maximum les deux rives de la Méditerranée, à la fois la partie européenne et puis l'est et le sud de la Méditerranée, parce que c'est un problème qui est commun et qu'on n'arrivera pas à résoudre si tout le monde n'est pas engagé. Voilà, je pense que j'ai à peu près fait le tour de la question. Si ça vous intéresse, vous pouvez aller voir sur le site internet de Beyond Plastic Med, où il y a toutes les initiatives qu'on soutient, les différentes ONG également qu'on soutient. Voilà, merci. Merci Lucille, c'est très important de voir qu'il y a beaucoup d'initiatives et beaucoup d'acteurs mobilisés sur, comme disait Pierre, c'est une approche multisectorielle qu'il faut avoir, notamment dans la mer Méditerranée qui est une mer fermée et particulièrement vulnérable, donc c'est très intéressant. Je vais maintenant vous diffuser une petite vidéo, c'est une vidéo d'Hélène Boone de la Fondation Hélène MacArthur, qui était là ce matin mais qui n'a pas pu rester malheureusement, et donc du coup qui va nous expliquer qu'il y a d'autres choses qui sont possibles. La Fondation Hélène MacArthur travaille beaucoup avec les entreprises notamment, et en fait elle voulait montrer qu'au-delà des solutions proposées des fois par certaines entreprises autour du recyclage, il y avait aussi des possibilités de réemploi, et donc c'est ce qu'elle va faire à travers cette vidéo. Bon après-midi tout le monde. Je suis vraiment désolée de ne pas être avec vous maintenant. Mais j'aimerais bien remercier la Fondation Surfrider pour l'invitation, mais aussi pour l'organisation de cet excellent événement. Good afternoon everyone. My name is Hélène Boone and I work for the Ellen MacArthur Foundation. We are a UK-based charity with a mission to accelerate the transition towards a circular economy. Today I will be briefly focusing on a circular economy for plastic packaging. 9 months ago, il y a 9 mois, nous avons lancé l'engagement de l'économie nouvelle plastique, qui fait partie d'un programme des Nations Unies. Ça réunit déjà 450 organisations à niveau mondial avec une vision globale sur une économie circulaire, en gardant les plastiques dans l'économie et en dehors de l'océan. Ils incluent des entreprises à travers toute la chaîne de valeur
qui représente environ 20% de tout l'emballage en plastique utilisé dans le monde. Et aussi 19 gouvernements, y compris le Royaume-Uni, la France, le Pérou, la Nouvelle-Zélande et beaucoup d'autres. Pour aider cette vision d'une économie circulaire pour les plastiques, tous les signataires à cet engagement s'engagent à des cibles ambitieuses pour 2025. Il y a d'ici quelques mois, nous allons publier notre premier rapport de progrès. Nous allons voir tout d'abord les premières cibles. Il faudra qu'ils prennent des mesures pour éliminer l'emballage qui n'est pas nécessaire. Et il faut qu'ils prennent des mesures pour partir d'un modèle à usage unique envers des modèles à réutiliser les plastiques où c'est possible. Lorsqu'on regarde ces cibles, on peut se demander qu'est-ce qu'on veut dire par réutiliser. L'emballage réutilisable est une opportunité qui peut donner des grands bénéfices pour les utilisateurs et les entreprises. Parfois, on les considère comme quelque chose du passé ou quelque chose de difficile. Mais c'est beaucoup plus facile d'utiliser. Cela donne des bénéfices significatifs. Ça donne une meilleure expérience utilisateur. Personnaliser les produits, prendre l'avis des utilisateurs, et réduire les coûts et optimiser les opérations. Par exemple, un conteneur de glace, quand vous allez à la plage ou vous sortez la glace du frigo, c'est quelque chose de très convenable, c'est un meilleur look. Et les gens reviennent. Nous avons récemment lancé une nouvelle brochure pour comprendre la réutilisation qui identifie 4 modèles et cartographie 69 exemples. Si vous utilisez le code sur l'écran, vous allez recevoir une copie immédiatement de cette brochure. Il est déjà temps de réutiliser. Merci. Ce rapport de la Fondation Hélène MacArthur qui est très intéressant sur les initiatives que certaines entreprises notamment mettent en place pour montrer que d'autres choses sont aussi possibles quand on est une entreprise. Du coup, ça me fait une transition toute trouvée pour laisser la parole à notre dernier intervenant, Benoît Reynaud, qui est directeur général de Renet France, donc une entreprise engagée et responsable, si je puis dire comme ça. Merci. Donc Renet, on est effectivement dans le monde réel, pragmatique. C'est une marque qui a 30 ans, qui est dans l'entretien écologique. Et je dirais, en synthèse de tout ce qui a été dit aujourd'hui, je voudrais vous présenter rapidement tout ce que l'on fait pour servir la cause. Alors, parmi les différentes stratégies, on a consacré il y a 5 ans beaucoup de réflexions sur le recyclage. On a considéré, dans le cadre de l'économie circulaire, que pour répondre de façon massive à la problématique des plastiques, il ne fallait pas changer radicalement tout l'écosystème et toutes les pratiques de consommation. Donc on a voulu avoir du plastique recyclé et l'ensemble de nos emballages sont à 100% en plastique recyclé, principalement du PET et du PE. Mais on ne s'est pas contenté seulement de travailler sur la recyclabilité, on a aussi voulu directement travailler sur le refuse et on a réintroduit des lessives en poudre, puisque dans les lessives en poudre, par définition, vous n'avez pas d'emballage plastique. Vous avez du carton recyclé et recyclable, et puis vous avez des lessives en poudre. En fait, la philosophie de l'entreprise, c'est un petit peu ce que vous voyez sur cette image, c'est que notre petite grenouille, elle a un copain qui s'appelle le petit colibri. Vous connaissez donc la parabole du petit colibri, c'est-à-dire que, évidemment, quand on prend les efforts individuels faits, ça semble faible, mais au moins, on essaye de faire un effort pour apporter donc une solution. Et comme ce qui a été dit, c'est que le problème, c'est pas d'aller récupérer les plastiques dans l'océan. Le robinet il continue toujours d'être ouvert, c'est essayer d'éviter que les plastiques arrivent dans les océans. Et c'est là aujourd'hui que le principe de la recyclabilité pour nous est important, sachant que les plastiques qu'on utilise sont des plastiques recyclables, le PET, c'est le plastique le mieux recyclable aujourd'hui, qui peut être recyclé un certain nombre de fois. Comme vous le voyez aussi sur cette image, eh bien notre président, qui est mon patron direct, qui est le propriétaire et qui dirige donc l'entreprise, c'est le premier militant.
Et c'est lui qui a mis en place cette initiative de plastique recyclé. Et vous le voyez ici en compagnie d'Hélène MacArthur, donc transition toute faite par rapport à ce que vient de dire la précédente intervenante. Nous avons essayé de faire bouger les lignes au niveau notamment de Davos l'année dernière et de faire que le monde des affaires s'engage réellement sur des solutions à long terme. Et on n'est pas dans du green marketing. Hein. Notre entreprise est une entreprise écologique. Renet n'est pas une marque qui fait du marketing écologique, c'est une marque écologique. Et on travaille sur l'ensemble donc, du cycle, avec le cycle biologique, comme vous le voyez ici, et le cycle technique au niveau du plastique. Alors, on travaille aussi sur le reduce, et on travaille sur des formules concentrées. On a, par exemple, nos principales ventes en lessive qui sont faites dans des poches. Une poche, c'est 70% de plastique, en moins qu'une bouteille. Et on s'est rendu compte que la technologie aujourd'hui des poches faisait que c'était un plastique difficilement recyclable. Donc on a voulu à tout prix trouver une solution pour que ces poches soient en plastique recyclable. Et nous allons arriver l'année prochaine avec une poche en monomatériaux, en PE, qui sera totalement recyclable. Donc cette contribution sur le Reduce va aussi permettre d'avoir un véritable élément de recyclabilité. Quand on s'est lancé donc, sur cette initiative il y a plus de 5 ans, on n'a pas voulu partir seul non plus, hein, en disant ben, on va faire ça dans notre petit coin, on va essayer de trouver une solution. On a voulu être connecté à ce qui se faisait. On a travaillé avec donc, des industriels en amont sur les collecteurs de plastique. On a travaillé aussi avec des NGO, notamment le NABU en Allemagne, et aussi avec des partenaires distributeurs, de façon à essayer d'intégrer le maximum de monde. Notre action, elle est très simple. On ne peut pas révolutionner le mode de consommation des produits d'entretien à nous tout seuls. Donc on est dans cette transition où on essaye d'apporter un petit geste nouveau pour le consommateur de façon à l'emmener. Aujourd'hui, l'initiative qui s'appelle We for Recyclet, et qui est donc un site internet consultable où vous pouvez donc regarder comment ça se passe, on est pratiquement à 300 millions de bouteilles produites en plastique 100% recyclées et recyclables évidemment. Donc ça veut dire que notre contribution, c'est d'éviter que ces 300 millions de bouteilles se retrouvent dans les décharges mal gérées et donc dans les rivières et donc dans les océans. Le plastique qu'on utilise, c'est du plastique qui vient en partie des poubelles jaunes, donc tout ce que l'on fait au quotidien en tant que citoyen, eh bien, on le retrouve donc en partie dans nos produits Renet. Et pour une autre partie, des bouteilles d'eau usagées qui ont fini leur cycle de reuse en Allemagne, parce que notre société est d'origine allemande. Donc une fois que les bouteilles de plastique qui ont servi plusieurs fois, donc qui ont été reused et qui ont atteint leur fin de vie, parce que le plastique est très abîmé, eh bien, on intervient pour le récupérer et le recycler. Donc voilà, on s'inscrit dans des écosystèmes existants. On s'appuie sur une culture qui est la culture que l'on essaye, et on l'a vu au travers des intervenants, notamment des ministres, c'est de pousser la filière du recyclable et recyclé. Aujourd'hui, nous, on est un petit peu agacés de temps en temps, c'est notre côté un peu militant, des grandes entreprises qui annoncent « je vais avoir du plastique recyclable d'ici 5 ans ». Ça ne sert à rien d'avoir des emballages recyclables si derrière, ils ne sont pas réutilisés. Donc il faut à tout prix boucler la boucle. Et donc du recyclable, il faut en faire du recyclé. Nous savons que peut-être dans 10 ans, on passera à autre chose, on aura trouvé d'autres technologies. Mais aujourd'hui, pour répondre en masse à la problématique du plastique qui finit mal et qui finit dans les océans, eh bien effectivement, on essaye d'intervenir au niveau du robinet, qui est de fermer la boucle sur la terre et non pas d'attendre que ce soit sur la mer. Et pour conclure en termes de bonnes pratiques aussi, je voudrais dire que bien évidemment, toutes nos formules de lessive et nos formules donc de détergent sont d'origine végétale, donc on s'est affranchi de la pétrochimie. Et nous n'avons évidemment pas et plus, parce qu'on en a eu il y a un certain nombre d'années, de microplastiques dans les lessives. Ça sert à quoi les microplastiques dans les lessives? Ça ne sert strictement à rien, juste à donner un aspect crémeux et donner l'impression au consommateur que c'est une lessive efficace et que ça imite le savon. Donc ça, c'est typiquement du marketing qui sert strictement à rien. Donc il n'y a plus de microplastiques dans nos produits. En fait, ce ne sont même plus des microplastiques, ce sont des nanoplastiques, ce qui est encore pire, puisque ce sont celles qui vont traverser toutes les barrières végétales, animales, et qui vont se retrouver ensuite dans nos organes, et que notre propre organisme aura du mal donc de filtrer. Voilà, donc je voulais apporter une contribution d'une marque, d'un acteur engagé, qui essaye donc de s'intégrer dans l'ensemble des réflexions qui ont été émises pendant ces jours-ci, et qui essaye d'apporter sa contribution, tout en restant toujours très populaire et démocratique, parce qu'il ne faut pas qu'on perde nos consommateurs. Chaque fois que vous demandez aux consommateurs de faire un effort, vous en perdez une partie, et si vous demandez trop d'efforts, ils vous ignorent.
C'est pour ça que vous voyez en haut une courbe, un petit axe de couleur. Le noir, le rouge, c'est les mauvaises pratiques, hein, c'est les industriels conventionnels qui font rien sur le plastique et qui utilisent plein de mauvaises molécules dans leurs produits. Et puis vous avez le vert foncé, ce sont des gens qui vont peut-être faire eux-mêmes leurs produits, donc qui sont extrêmement vertueux et qui sont arrivés à zéro déchet, comme ça a été dit tout à l'heure par le premier conférencier. Nous, on se situe sur un vert assez prononcé, mais c'est le vert où on arrive encore à capter une grande masse de consommateurs, et c'est là qu'on essaie d'apporter notre contribution. Voilà, je vous remercie. Merci beaucoup. Et ça tombe bien que vos détergents soient sans microplastique, puisque en ce moment, il y a au niveau européen une consultation sur la réglementation REACH pour justement lutter contre les microplastiques ajoutés intentionnellement. Et il y a, pour ne rien vous cacher, beaucoup d'industriels qui sont en train de pousser en disant que ce n'est pas possible, qu'ils n'arriveront jamais à enlever leurs microplastiques de leur lessive. Bien sûr que c'est possible, on le fait depuis des années. Et qui demandent plus de temps. Donc voilà, merci beaucoup à vous tous pour ces participations, pour montrer qu'il y a beaucoup de choses qui sont en cours. Évidemment, on n'a pas adressé toutes les solutions pour lutter contre la pollution plastique. C'est impossible, il y a beaucoup de choses qui sont en train d'être faites. Avant de laisser la parole au public, je voulais juste poser une question à nos intervenants qui était quels sont les principaux obstacles et les freins à votre action à l'heure actuelle? Alors Lucille, pour toi ça va être peut-être un peu compliqué parce que c'est, je ne sais pas si tu vas parler en tant que l'association Beyond Plastic Med ou justement les personnes que vous financez par l'appel à micro-initiative, mais j'avais un peu envie de voir, vous êtes des intervenants différents, de secteurs différents, et je voulais savoir un petit peu quels étaient les obstacles que vous affrontez dans votre action. Je crois que je vais parler un peu au nom de tout le monde, avec les retours qu'on a pu avoir dans les différents échanges avec les associations qu'on soutient et nous, dans notre quotidien. Je pense que le premier point en Méditerranée qui est compliqué à adresser, c'est les différences de contexte en fonction des pays. Il y a des problématiques, par exemple, il y a certains pays qui n'ont pas d'eau potable. Donc comment est-ce qu'on adresse la question de la bouteille en plastique, qui est quand même assez pratique dans le cadre de non-accès à l'eau potable dans ces pays-là. Donc je pense que ce qui est important, c'est de se rendre compte qu'on a besoin d'avoir un raisonnement à l'international pour être efficace et pertinent dans les actions qu'on conduit, tout en prenant en compte le contexte local de chacun des pays qu'on considère. Donc ça, je pense que c'est un premier obstacle à prendre en compte. Je dirais, le deuxième qui ressort beaucoup, c'est l'aspect financier. Les solutions coûtent cher, les actions coûtent cher aussi à mettre en place, donc c'est trouver des façons de financer les actions, que ce soit par des appels à projets dans le cadre de l'Union européenne ou d'autres organismes, ou encore en se rapprochant des entreprises qui peuvent être aussi un soutien financier, mais aussi un partenaire de travail, d'être impliqué dans les actions qui sont conduites localement. Donc ça, je pense que c'est aussi une des difficultés que peuvent avoir les ONG actuellement. Je pense que j'ai déjà parlé un petit peu de cela. Vraiment, l'industrie est la plus grande, le conseil américain de l'industrie chimique, parce qu'ils font un travail de lobbying à niveau fédéral et même à niveau local, pour des actions locales. Et dans des grandes villes comme Los Angeles et New York, l'industrie a des représentants aussi là-bas qui présentent toujours des contre-arguments. Je pense que nous avons les meilleurs arguments et je pense que nous avons réussi à invoquer ces lois de réduction de... Le recyclage est quelque chose qu'il faut faire, mais ce n'est pas la solution à tout, il faut le faire. Ce n'est pas suffisant de dire simplement on recycle et donc on peut continuer à produire. C'est ce qu'ils disent les industriels. Mais ça continue à... C'est quelque chose... Il faut vraiment arrêter la production. Et pour cela, il ne faut pas uniquement recycler, il faut aussi réutiliser. En fait, on a un consensus, je pense vraiment, sur la problématique, mais on a des réalités très différentes selon les pays, et avec des accents différents sur différentes solutions, donc plutôt du recyclage ou plutôt de la prévention.
Et donc ça, je pense que c'est vraiment un premier obstacle de se mettre d'accord sur une solution qui englobe assez les réalités qui peuvent être différentes d'un pays à l'autre, mais qui soit tout de même efficace et où tout le monde y trouve son compte. Je pense aussi qu'un des freins, c'est finalement les solutions qui apparaissent et la vigilance qu'on doit avoir sur certaines alternatives quand on parle de design ou quand des fois ça arrive dans les discussions sur notamment tout ce qui est plastique biodégradable. Après, en fait, toutes les alternatives au plastique doivent également être évaluées pour être sûres aussi que de l'absence d'impact sur l'environnement. Donc ça, c'est aussi voilà, quelque chose, un challenge, finalement un frein, quelque chose, une vigilance à avoir. Alors, concernant, j'en aurai deux. Le premier, on va dire de façon très pragmatique, c'est ce qu'on appelle le greenwashing. Il y a deux façons de faire du greenwashing. La première, c'est volontairement délibéré, c'est-à-dire que les acteurs vont dire, bah, je vais jouer sur cet axe-là, parce que je vais faire de la com dessus, et je vais essayer de verdir mon image. Donc celui-là, bien évidemment, c'est le pire, parce qu'il est intentionnel et, on va dire, presque criminel. Le deuxième, c'est ceux qui font sans le savoir du greenwashing et qui n'ont pas suffisamment intégré l'ensemble du cycle de vie d'une initiative et qui vont complètement perturber finalement un schéma existant et qui vont finalement apporter une solution qui est pire que la situation actuelle. Mais bon, je dirais au moins, ces gens-là, ils prennent des initiatives et il faut simplement les aider et les éclairer. Alors pourquoi le greenwashing ? Ben évidemment parce que ça va brouiller le message. Et les gens qui s'engagent, ben, ils vont être sceptiques. Et puis ils peuvent retomber sur bah, finalement je ne vais rien faire, ils vont rejoindre le flot des éco-sceptiques et ils ne vont pas du tout s'engager. Donc ça, c'est vraiment un danger qui nous guette au quotidien. Le deuxième, je dirais, c'est tout ce qui concerne les barrières faites par des industriels. Aujourd'hui, le plastique recyclé, ça coûte un petit peu plus cher. Eh bien, il faut de temps en temps prendre des décisions. Et dire tant pis, je m'assois sur une partie de ma rentabilité, ça ne met pas en péril mon entreprise, mais c'est au moins ma contribution et je peux le faire, donc je prends une décision forte, et ça, bon, je sais que c'est pas toujours facile pour un certain nombre d'entreprises. Et puis si je peux dire la dernière, c'est que le monde actuel fonctionne encore à l'envers, c'est-à-dire que les entreprises qui font des efforts, ce sont celles qui sont le plus pénalisées économiquement. Et les entreprises qui ne font rien, c'est celles qui en tirent le plus de profit. Donc c'est bien de pouvoir introduire, notamment de façon la plus habile possible, la notion de pollueur-payeur. Je sais qu'avec les gilets jaunes, ça a été un petit peu mis en souffrance, mais cette philosophie est fondamentalement bonne. Celui qui ne pollue pas doit être privilégié, celui qui pollue doit avoir quelques restrictions, quelques bâtons dans les roues. Et ça, cette culture, vous le savez, elle n'est encore pas installée au quotidien. Voilà, je ne voudrais pas trop prendre la parole. Surtout si on veut quelques questions du public. Bah, pour ce qui me concerne, bah, quand on est un responsable politique et qu'on veut prendre des décisions qui amènent à modifier les habitudes, bah, le principal obstacle, c'est qu'il faut changer la façon de faire. Et pour ceux qui étaient là hier, c'était vraiment le grand sujet d'hier. Il faut changer les choses. Or, on est dans un monde qui est quand même assez profondément, et même on est psychologiquement, tous un peu conservateurs. On aime bien nos petites habitudes. Et donc, si demain, mais ce qui est le cas, il n'y a plus de paille en plastique, vous allez trouver plein de monde qui vont vous dire que l'apérol, le spritz avec la paille en carton, c'est dégueu. Non mais, enfin, vous l'entendez, ça, quand même. Vous entendez des gens vous dire, mais c'est complètement ridicule de changer les pailles en plastique, parce que ce n'est pas une paille qui va changer quelque chose, mais il faut reprendre la parabole du colibri. Mais mine de rien, quand il faut prendre des décisions et que vous dites, bah, je vais m'occuper des filets de pêche, je vais m'occuper des pailles, je vais m'occuper des cotons-tiges, mais à chaque fois, dans chacun des secteurs, on va vous dire, mais mon secteur, il pèse rien, c'est pas la peine de vous occuper de moi. Ben oui, mais sauf qu'il va falloir bien s'occuper, et on le voit bien, vous avez très bien dit, que les sources de plastique sont tellement innombrables qu'il faut s'occuper de chacun des secteurs. Il va falloir aller chercher chacun des secteurs, et moi je suis vachement intéressé par ce que vous avez présenté, parce que, au fond, il n'y a pas de raison que vous ayez pu mettre en place tout le système, notamment de collecte de vos vieilles bouteilles. Au fond, moi, je suis même en train de me demander, on en parlera avec Catherine Jabot, est-ce qu'il y a un moment, dans les réglementations européennes, dans les directives qu'on adopte, on ne peut pas, à un moment, inscrire l'obligation pour les industriels de s'occuper de leurs vieilles bouteilles ? Parce qu'il y a un moment, il n'y a pas de raison, comme vous l'avez dit, que vous soyez pénalisé parce que ça a un coût, tout ça. Au fond, vous êtes pénalisé et que finalement, ceux qui ne le font pas ne sont pas pénalisés. Donc, bah, y a un moment, il faut réfléchir. Si vous pouvez le faire, il n'y a pas de raison que les autres ne le fassent pas. Merci beaucoup. On va peut-être applaudir avant de passer aux questions du public.
Alors, cher public, est-ce qu'il y a des questions pour nos intervenants ? Bonjour, Germain Gouranton. Donc je dirige une entreprise qui s'appelle Bertin Technologies, mais ce n'est pas là la question. Vous avez, on a compris dans les interventions que vous misiez tout politiquement, techniquement, sur les micropolluants, enfin, le traitement des micropollutions, micro-nanopollutions, et que vous pivotiez beaucoup sur le comportemental pour faire confiance finalement à l'être humain pour être de plus en plus raisonnable. Je suis moins optimiste que vous sur le sujet, et je me dis pendant ce temps-là, il y a quand même un septième continent qui se construit, qui grandit dans nos océans. Il y a des solutions techniques de traitement de ce septième continent, hein, qui est une soupe de taille extrêmement importante. Et on sait que ces polluants, les macropolluants, vont assurément se retrouver dans ces septièmes continents. Ma question est, a-t-on complètement abdiqué sur le fait d'aller traiter ce septième continent ? Et on s'occupe du comportemental, ou alors est-ce qu'il faut faire et l'un et l'autre ? En fait, nous, l'analyse qu'on en fait, bon, bien évidemment, je vous l'ai dit, c'est d'intervenir en amont, c'est de faire que le robinet se tarisse. Ça, c'est vraiment la plus première responsabilité. On dit aujourd'hui que ce septième continent, qui est composé en fait de 5 sous-continents, hein, fait les 2/3 de l'Europe. Donc si vous imaginez une flottille technique pour aller ratisser 2/3 de l'Europe, imaginez ce que ça veut dire quantitativement en nombre d'équipements, en nombre de moyens pour traiter ce qui est le stock d'aujourd'hui, hein, et le stock, évidemment, le stock visible, puisque celui qui est déjà en soupe et celui qui a coulé, bon, il est définitivement perdu. Donc je pense que réellement, techniquement, c'est impossible parce que ça va nécessiter des sommes folles, des équipements qui vont eux-mêmes beaucoup polluer. Je vous rappelle qu'il faudra des bateaux qui se déplacent sur l'eau avec des... Donc, et en plus, incidemment, il y a déjà une vie qui s'est installée sur ces plastiques et on va devoir détruire toute cette vie sans compter les poissons qui vont passer à travers, même si je sais qu'il y a des techniques aujourd'hui qui permettent de... Donc je pense, mais c'est notre conviction, ou en tout cas celle qu'on a compris, parce qu'on n'est pas des experts, hein, je suis qu'un intervenant industriel, c'est que c'est quelque chose d'impossible. Il faut vraiment tarir le robinet, il va falloir vivre avec ce stock. Et ce qui est bien, c'est aussi tout ce qui permet dans les rivières de les collecter aussi avant qu'ils n'arrivent dans l'océan. Donc là, il y a peut-être des techniques qui sont, on va dire, le semi-aval. C'est trop tard. Les déchets ont déjà été dans la nature. Mais au moins, quand ils arrivent dans les rivières, et parce que les rivières, ben, on les connaît, hein, il y a les 8 grandes rivières qui sont les plus grandes pollueuses, qui sont évidemment pas en Europe, qui sont en Afrique, en Asie. Bon, il y a peut-être là une solution. Hein. Mais je crains que l'idée de pouvoir collecter à grande échelle et de ratisser 2/3 de la surface de l'Europe du stock actuel, ce soit quand même techniquement challenge. Yeah, I would agree, and you can't clean it. Je suis d'accord, on ne peut pas le ratisser. C'est une soupe qui est accumulée sur notre océan. Ce n'est pas une île qu'on peut sur laquelle on peut marcher. Il y a plusieurs couches, et on le trouve surtout sur les fonds marins. Et on ne sait pas ce que ça fait à notre environnement. Avec en les piégeant sur les rivières, c'est déjà une solution. L'inconvénient, c'est que si on l'attrape dans les rivières, si on enlève quelque chose des rivières, et on enlève d'autres choses aussi, pas seulement les déchets. Donc, d'autres organismes, on va attraper, et vous ne pourrez pas tout attraper à toutes les dans toutes les couches de l'océan. Donc on sait qu'il y a des millions de tonnes qui rentrent dans l'océan. C'est pour ça qu'il faut fermer le robinet. C'est ce que j'avais aussi commencé un peu à illustrer, c'est-à-dire que là, beaucoup de déchets se trouvent aussi dans le fond. Il y a toute la problématique des macroplastiques et on a également d'autres engagements. Donc c'est pour affréter des bateaux pour aller récupérer des déchets, en forme de soupe, comme on le dit, en fait, c'est pas vraiment l'image qu'on en a dans le grand public d'un continent véritable. C'est quelque chose d'assez mouvant. C'est quelque chose de très compliqué. Et au final, on aura aussi un impact d'aller chercher ces déchets quand, par ailleurs, en fait, la pollution continue. En revanche, ce qu'on essaye de faire, on a toujours les nettoyages de plages qui sont là. On essaye aussi d'intervenir en mer, notamment lorsqu'il y a des activités de pêche.
Dans le cadre des conventions de mer régionale, il y a une action de pêche aux déchets quand les pêcheurs amènent des déchets dans leurs filets. Donc ça, c'est déjà des activités qui sont en mer. Donc on sait qu'on ne va pas polluer plus en y allant. Mais c'est vrai que c'est un sujet en fait, où on a du mal à se rendre compte vraiment de l'importance du problème et de la difficulté qu'il y a. Et vraiment, l'accent qui doit être mis par ailleurs sur la prévention quand on continue, quand le robinet est toujours ouvert. Enfin, voilà, c'est vraiment la définition des priorités et la priorité doit vraiment être... sur la prévention. Est-ce qu'il y a d'autres questions dans le public ? Bonjour, Stéphanie Lesage, Children for the Oceans. J'avais une question sur la réglementation européenne et en matière de directives. Je voulais savoir si... dans les directives à venir, ils allaient cibler du moins l'intégralité du cycle de plastique, c'est-à-dire fabrication, puisque, comme vous le dites, il faut fermer le robinet. Donc, j'imagine que dans cette directive, il y a le traitement de plastique, il y a également tout ce qui est production, importation. Enfin, je voulais savoir comment c'était traité, parce que si on en traite une partie... Effectivement, si on continue soit à importer, soit à fabriquer, voilà. C'est encore... Alors, oui, en effet, moi, alors, on a également ces réflexions au niveau français avec la feuille de route économie circulaire, c'est-à-dire qu'en effet, en fait, la problématique doit être globale. Et en fait, quand on pense... finalement à avoir cette réflexion-là sur vraiment réduire la consommation de plastique qui n'est pas finalement nécessaire. On parle tout de suite aussi de favoriser voilà, le local, de revenir dans cette circularité. Et c'est en tout cas dans les négociations internationales, c'est aussi ça. Et on parlait de G7 environnement, enfin de G7 sur les inégalités. C'est finalement quand on pose la question de la consommation de plastique, ça repose la question du local, de la production plus également locale et des consommations en fait. Voilà, c'est vraiment donc toutes ces réflexions là qui bien sûr en fait dès qu'on arrive sur des discussions sur le plastique, c'est tout ça aussi qui rentre en cause. Merci beaucoup. Je ne sais pas s'il y a une dernière question, mais s'il y en a une, il faut qu'elle soit rapide et avec une réponse si c'est possible rapide aussi de nos intervenants. Hello, Margot. J'ai une question rapide sur le principe pollueur-payeur, mais pour les sociétés comme Coca-Cola, ils ont assez d'argent pour payer et pour avoir des actions de lobbying énormes. So, quel principe doit-on appliquer à ces gens-là? C'est que déjà, même s'ils ont beaucoup d'argent, ils vont devoir payer. D'accord. Et au-delà de l'aspect de l'argent, qui peut-être effectivement ne sera pas un problème pour eux, vous allez avoir la visibilité dans le monde, c'est-à-dire que le système de valeurs aura changé. Donc ça va contribuer à faire qu'effectivement la réputation de l'entreprise, qui va bien évidemment très vite faire... Tout le monde va savoir qu'elle préfère payer des amendes que de bien faire les bonnes choses. Il y a un moment, ils ne pourront pas résister. Aucune des sociétés, on le voit bien, et même les gouvernements... En termes de réputation d'image d'entreprise, ça ne sera pas tenable avec toute cette communication qui va être faite. Donc nous pensons que ça peut avoir un effet beaucoup plus dans l'image que dans la réalité économique. Hein. Si le système de valeur a changé, c'est énorme. C'est énorme. Donc toutes les réflexions qui sont faites par les gouvernements, notamment d'inciter ou de sanctionner, je pense que le couple est très bon et il faut aller dans cette direction. Nous, par exemple, on a fait un appel à ce que, par exemple, on baisse la TVA sur les produits qui utilisent des plastiques recyclés ou en tout cas qui ont eu une véritable action contre la pollution. Bon, ben voilà, c'est des messages. Peut-être que économiquement, ça ne représentera pas grand-chose, mais en tout cas, ça envoie des messages, des signaux qui aident à faire changer le mindset. Bon, c'est ce qu'on pense. Je suis d'accord. C'était une question d'image. Donc, ça va montrer... on montre que ce qu'on trouve... ce qu'on trouve dans nos déchets qu'on ramasse, on trouve ces sociétés. Donc le recyclage doit être une chose du passé et il faut aller vers la réutilisation. Et il faut que les Pepsi et Coca qu'on trouve partout,
et je crois qu'on voit un mouvement dans ce sens. Merci. Un petit peu parce que en fait, avec la venue de la ministre, on a dû décaler tout le programme. C'est les aléas du direct, j'ai envie de dire un petit peu. Donc du coup, on va pas prendre d'autres questions, mais je vous inviterai après au cocktail, si vous avez des questions, à venir vous rapprocher de nos intervenants et ne pas hésiter à venir discuter avec eux, même si faut pas non plus les empêcher de passer une bonne soirée et de boire un petit verre. Voilà. Donc merci beaucoup à vous tous. Alors, je vais faire la transition avec la deuxième table ronde. Je vais demander à Justine Maillot de venir nous rejoindre, qui va parler justement de la science, des manques qu'il y a au niveau de la collecte de données, et aussi de dire que ce n'est pas parce qu'on n'a pas forcément toutes les données qui sont disponibles qu'on ne va pas pouvoir prendre des mesures pour justement lutter contre la pollution plastique. Justine, je te laisse la parole. Et il n'y aura pas de break, désolé. Ok, très bien. Et je vais inviter tous les participants à ce panel à me rejoindre. Peu importe. I think we're going to switch to English for this one because. Allons parler en anglais parce que la plupart des intervenants ne parlent pas le français comme langue maternelle, mais vous pouvez poser vos questions dans les deux langues. Nous allons nous y lancer directement, sans pause. Pendant la première table ronde, nous avions déjà eu quelques explications sur les microplastiques et les solutions, la législation. Nous avons parlé du rôle du secteur privé. Certaines entreprises font des bonnes choses. Et maintenant, nous allons nous centrer sur le rôle de la science pour trouver des solutions, pour concevoir des solutions. Pour ceux parmi vous qui êtes ici, là, hier, il y avait deux bénévoles de Surfrider et qui avaient fait une promenade tout le long de l'été. Ils ont collecté énormément de données. En suivant un protocole très spécifique, elles ont collecté des. You had like a meter square yesterday where you could find the pallets. No. Those kind of initiatives we're going to talk about. Avec des pelotes. Et avant de vous raconter le détail de certains projets spécifiques, je veux donner la parole à François Galgani. Où en est la science en ce qui concerne la plastique, le macroplastique, les microplastiques? Je vais faire un effort pour vous parler en français. De parler en français, si ça ne vous dérange pas. Simplement, alors je m'excuse, d'abord j'aurais dû contribuer à la modération, mais j'ai eu un problème de oui, je n'entends plus. Et de parler en français, ça me permet également d'entendre ce que j'ai dit, et donc ça me permet simplement de faire ma présentation. Voilà. Alors c'est réversible, vous inquiétez pas, je me suis inquiété moi-même, mais bon, voilà. Donc ce que je vous propose, c'est de vous faire dresser un tableau de la pollution plastique dans l'océan mondial. Alors le problème, c'est que voilà. Donc. Pour introduire un petit peu le problème, il faut comprendre d'abord qu'il est très 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 complexe, bien évidemment, qu'il y a diverses sources. Il y a des travaux qui ont été faits par les Nations Unies et qui permettent de... Ah oui. D'accord. Je vois pas, mais c'est pas grave. Et qui permettent de savoir un petit peu d'où viennent les déchets marins. Donc voilà la première présentation. Manifestement, il y a un gros problème en Asie du Sud-Est avec des rivières qui apportent à la mer énormément de,
de déchets en général et de plastique bien évidemment. Il y a également donc beaucoup de pays qui ont des problèmes de fonctionnement de leurs stations d'épuration, de traitement des eaux et de collecte avant qu'ils arrivent à la mer, et donc ça provoque également des apports assez massifs, et on arrive à des chiffres qui sont, alors certains très connus comme 8 millions de tonnes chaque année, entre 4 et 12 millions de tonnes, c'est uniquement ce qui vient de la côte, il y a également ceux qui viennent des navires, et puis ce qu'on sait moins c'est qu'il y a quand même 5 000 milliards de particules qui flottent. Et puis, en 5 ans, on est passé de 700 espèces connues pour être affectées par les déchets à peu près 1400. Rien que les courants, par exemple, du Nord-Pacifique, après le tsunami au Japon, ça représente à peu près 290 espèces nouvelles qui sont arrivées en Amérique du Nord. 290 espèces. Dans l'histoire de la biologie, de la biodiversité, c'est la première fois qu'on a un apport si massif. Ce n'est pas une arche de Noël, ils ne sont pas toutes. Mais malgré tout, si vous voulez, c'est considérable. Et en termes d'impact, on n'a aucun recul, parce que ce sont des données qui sont très, très, très récentes. Voilà. Alors les déchets qui viennent de la mer, alors ils viennent principalement des routes maritimes, de la pêche et puis des bassins versants. Là encore, l'Asie du Sud-Est est malheureusement première en termes d'apport. On a également des activités de pêche assez importantes en Méditerranée, des bassins versants dans certaines régions, comme par exemple de tous les grands fleuves, le Nil par exemple en Méditerranée, qui sont également des sources très 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 importantes. Et tout ça, ça provoque, avec les courants, des zones d'accumulation. On en a parlé tout à l'heure, il y a eu une question qui a été posée. Alors je voudrais vous rassurer quand même, quand on regarde la quantité de plastique qui flotte dans les gires, c'est de l'ordre de quelques milliers de tonnes. C'est la réalité, si vous voulez. C'est une des raisons pour laquelle ce n'est pas très rentable d'aller nettoyer, parce que la quantité est très, 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 très faible. Ce sont simplement des densités qui sont plus fortes qu'à la côte. Donc, c'est des processus physiques. Ça a été imagé par la notion de continent de plastique, si vous voulez. Mais dans la réalité, en termes environnementaux, ça paraît, c'est pas secondaire, mais c'est quand même mineur par rapport, si vous voulez, aux apports côtiers et aux densités. Par exemple, en Méditerranée, qui sont à peu près 10 fois au-dessus de celles qu'on trouve dans les gires atlantiques. Voilà. Alors, si on met un filet à la surface de l'eau et qu'on regarde ce qu'il y a dans le collecteur, c'est en haut à gauche, vous voyez un petit peu tous les microplastiques. Si on regarde sous le microscope, vous allez trouver un assemblage de tout un ensemble d'objets divers, donc des granulés ronds, par exemple, qui sont des granulés industriels. Ça représente à peu près 10% des apports de microplastiques. Et puis tout un ensemble d'objets, coton-tige, par exemple, bâton de sucette, plastique divers, de couleurs et de formes différentes et de matières différentes également. Et si on regarde au microscope électronique, là, on s'aperçoit également qu'il y a des choses qu'on voit, et qu'il y a même des choses qu'on ne peut pas encore voir, les nanoparticules, pour lesquelles il y a de vraies questions, si vous voulez, notamment de transfert le long de la chaîne alimentaire. Donc ça veut dire que les microplastiques, ils ont un rôle très 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 important. Alors, il faut peut-être quand même relativiser les choses. Là, j'ai 4 cartes, si vous voulez, c'est en nombre, donc à gauche pour vous, ou en poids à droite pour vous. En haut, les microplastiques, et en bas, les macroplastiques. On s'aperçoit que, en fait, en nombre, les microplastiques représentent 90% des déchets en mer, en surface, et les macros simplement 10%. Et si on considère le poids, c'est l'inverse. Les macroplastiques représentent beaucoup plus. Et donc tous les risques qui sont associés au poids, par exemple la quantité de produits chimiques qui seraient dans les plastiques, c'est lié principalement aux macroplastiques. Et lorsqu'on considère les microplastiques, le risque est plus lié au nombre, par exemple le transfert d'espèces. Hein, j'ai dit tout à l'heure 5 000 milliards de particules. 5 000 milliards de particules qui vont dans tous les sens et très doucement. Ça veut dire que les espèces peuvent se fixer dessus. Il y a énormément d'exemples. Et donc ça, c'est un risque vrai pour les microplastiques. Donc on ne connaît pas d'ailleurs toute la mesure encore, et donc ça nécessitera beaucoup d'années. Donc c'est important de faire cette différence entre micro et macroplastiques en termes d'impact, parce que les deux n'ont pas la même manière d'agir. Alors en termes d'impact, je disais tout à l'heure, il y a énormément de choses maintenant qui commencent à être connues, mais malgré tout, il y a principalement l'emmêlement ou l'étranglement, ça représente des mortalités massives pour certaines populations, pêchées par exemple. Il y a également l'ingestion, avec tout un ensemble de questions sur le transfert le long de la chaîne alimentaire, qui semble très 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 limité pour les plastiques, microplastiques, mais par contre pour les nanoplastiques pose une vraie question de santé publique. Il y a des espèces qui sont plus sensibles que d'autres, comme les tortues marines, parce qu'elles confondent ça avec des sacs plastiques, c'est très connu, et certains oiseaux parce qu'ils les gardent dans certaines poches, ou d'autres parce qu'ils vivent en surface, près des microplastiques et autres. Et donc on sait qu'il y a des espèces qui sont plus touchées que d'autres, et c'est important parce que on n'est pas dans le même cadre que le réchauffement climatique. Si on augmente la température, ou si elle augmente parce que c'est pas forcément nous qui l'augmentons, mais en tout cas si on gère mal le problème et qu'on augmente la température de quelques degrés, c'est tous les écosystèmes, y compris l'homme, qui seront touchés. Dans le cas des plastiques, si on augmente de 200 ou 300% de la quantité, c'est surtout certaines espèces qui seront touchées. Alors évidemment, il y a toujours trop de plastique, c'est clair, mais il faut bien faire la part des choses. On n'est pas dans un problème, il y en a partout, si vous voulez, mais les impacts ne seront pas partout et sur toutes les espèces. C'est quand même assez important, il faut quand même le dire. Alors, il y a également le transport, j'en ai parlé, beaucoup d'espèces, y compris des espèces à risque.
risques des espèces toxiques, par exemple. Il y a des questions qui se posent sur des bactéries pathogènes pour l'homme qui pourraient arriver au niveau des stations d'épuration et être, dont la dispersion pourrait être favorisée. Il n'y a pas d'exemple connu pour l'instant. Il y a une équipe hollandaise qui en a parlé récemment avec des arguments, mais ce n'est pas encore clair, si vous voulez, mais il y a quand même un risque que ça arrive. Et en tout cas, dans l'ensemble, la quantité de microplastique pourrait avoir un rôle important. Alors la recherche, donc... Elle a des objectifs pour l'instant, c'est de résoudre certains problèmes, évidemment. On essaye d'avoir des mesures assez simples pour pouvoir couvrir l'ensemble des évaluations et faire des bilans. Mieux connaître les impacts, par exemple, on sait maintenant que les oiseaux font leur nid avec des déchets. On a des régions de France où on a 100% des nids qui ont des déchets, et parfois jusqu'à 20 déchets par nid pour certaines espèces. On a également le développement de drones, par exemple, de systèmes automatiques qui permettent d'engranger de grandes séries de données. Évidemment, les mesures automatiques de microplastique ou de nanoplastique, c'est un des challenges. Et puis, il y a des nouvelles approches qu'on appelle les approches par risque, c'est-à-dire qu'on fait des cartographies croisées d'impact. On regarde la quantité d'une espèce et la quantité de plastique, et on regarde là où elles seront impactées. Voilà un petit peu, si vous voulez, les techniques qu'il y a. Alors, évidemment, il y a tout un ensemble d'autres disciplines scientifiques, comme la modélisation et autres, qui apportent beaucoup. Mais voilà. Alors, ça a été dit tout à l'heure, il y a énormément d'impacts, comment dire, socio-économiques des plastiques. En fait, ce qu'il faut retenir, et ça répond aussi également à la question qui a été posée tout à l'heure, on ne nettoie en mer que lorsqu'il y a une valeur aux déchets. On ne peut pas aller, si vous les nettoyez, si c'est simplement investir pour rien du tout. Parce que d'abord, il y en a trop. C'est très, très, très difficile à récupérer. Vous savez, des milliards de plastiques qui flottent, qui sont éparpillés, ça demande des investissements énormes. Et puis, ça a été dit également tout à l'heure, on est susceptible de capturer, comment dire, d'autres espèces. Un engin de pêche, il est fait pour capturer du poisson et il capture du plastique. Un engin qui est fait pour capturer du plastique, il capture du plastique, mais malheureusement, il peut capturer d'autres organismes également. C'est le même problème, c'est exactement la même problématique. Voilà, simplement, il faut savoir que le coût est très, très, très important. On est à environ 260 milliards pour l'Europe. Les Nations Unies ont évalué le coût général à de l'ordre de 8 milliards d'euros. Alors évidemment, à partir du moment où il y a des enjeux économiques, ça devient important et même nécessaire, si vous voulez, d'engager des travaux. Donc on a parlé des différentes directives et autres. Ce qu'il faudrait retenir en termes de recherche, peut-être, c'est que on connaît très, très, très mal, finalement, le cycle du plastique en mer. Tout ce qui est transport, accumulation, dégradation et autres. Il y a énormément de travaux à faire. D'ailleurs, j'en profite pour citer l'initiative de la Commission européenne avec la mission où la partie économie circulaire, recyclage et prévention de la pollution plastique fera une partie, comment dire, assez significative de l'ensemble des travaux à venir dans les 10 ans à venir. Mieux comprendre les impacts, notamment le transport des espèces et puis la composition, le rôle de certains additifs et autres. Évidemment, il y a une question qui est très, très, très importante, c'est surtout pour les gestionnaires, c'est de faire le lien entre les flux, c'est-à-dire les quantités de plastique qui arrivent à la mer, quelles que soient les voies, et le coût économique de chacun des flux, si vous voulez. Ça, c'est très, très, très mal connu. C'est-à-dire qu'on sait que les rivières ont un rôle important, mais peut-être qu'il y a des choses qui sont plus chères en termes économiques, sur lesquelles on pourrait mieux agir. Et de faire la part des choses, c'est quelque chose qui est très, très, très mal connu. Enfin, donc, des solutions innovantes. Donc, nouveau matériel, j'en profite là aussi pour signaler un travail qui a été publié dans la revue Nature il y a un mois et demi, qui propose des techniques pour avoir les mêmes plastiques, mais branchés et réticulés d'une manière différente, et donc recyclables des milliers de fois. C'est assez intéressant, parce que ça veut dire qu'il y a des solutions techniques possibles sur le plan conceptuel pour l'avenir. Évidemment, ça prendra des années avant de passer les différentes contraintes industrielles, notamment économiques, mais malgré tout, il y a des idées qui sont très, très, très intéressantes. Et puis, ce qui est important aussi, moi, j'aurais voulu conclure un petit peu là-dessus la session, mais c'est l'importance des sciences participatives, et puis des apports. C'est un rare exemple, si vous voulez, en termes de pollution marine, et même en termes de surveillance de tous les travaux qui sont faits par à la fois par le ministère, par tout un ensemble de gestion, un rare exemple où comment dire, tout le monde participe et tout le monde joue un rôle important. Et ça, c'est important de souligner parce que c'est vraiment, d'abord, tout le monde le réalise, tout le monde le comprend, c'est la vie de tous les jours et donc c'est très, très, très important d'en prendre compte. Alors avant de terminer, je voudrais simplement montrer quelques images. Donc c'est des images qui ont été faites il y a quelques mois, c'est en Méditerranée. Pour répondre encore à la question de tout à l'heure, donc finalement, il y a à peu près 1-2% des plastiques qui sont en surface, 95 à 98% sont sur les fonds et dans certaines régions du monde, et même en Atlantique ici, j'ai eu l'occasion de plonger en sous-marin dans le canyon de Cap-Breton il y a quelques années. Donc j'ai vu des zones d'accumulation, ça existe, donc même ici. Et là, ce sont des images que je voudrais montrer. C'est en Méditerranée, donc on est à 1200 mètres de fond.
C'est dans la région de Nice-Monaco, c'est vraiment dans la Côte d'Azur, mais ce n'est pas propre à la région, en fait, que ce soit à Barcelone ou bien au large des grandes, toutes les grandes villes, finalement, c'est un petit peu la situation que vous allez trouver. Alors, ce n'est pas partout comme ça, mais régulièrement, systématiquement, on trouve des zones d'accumulation. C'est assez spectaculaire. Et donc, on a regardé un petit peu, enfin, les gens du CSM à Monaco ont regardé un petit peu les marques, s'il y en avait. Il y a des marques qui n'existent plus depuis une vingtaine d'années à peu près, qui sont encore présentes comme ça, cumulées, sachant que la dégradation est beaucoup plus lente en profondeur parce qu'il y a beaucoup moins d'oxygène et surtout il n'y a pas de lumière qui sont les facteurs normalement qui favorisent la dégradation. Voilà, donc je pense qu'on aura plus de détails sur les apports de la recherche et sur l'innovation, en particulier l'intelligence artificielle, tous les travaux de la Commission européenne, et je pense que voilà quoi. Je vous remercie beaucoup. That works as well. Great. Thank you. Merci, François, for this great overview. Also for those. Merci, François, pour ces dernières images qui nous rappellent à tous pourquoi on est ici. Maintenant, nous allons aller en détail et pour expliquer ces initiatives pour mesurer les microplastiques et macroplastiques. On va commencer avec un projet de science participative. Maria Balesero Rivas va nous parler de son projet en Espagne. Merci. Oui, je voulais expliquer comment la science participative nous a aidés à ce projet, comment l'implication de plusieurs parties prenantes nous a permis de coopérer pour lutter contre la pollution plastique. L'EMA projet a commencé il y a quelques mois dans la baie de Biscay. On est sur la côte entre la France et l'Espagne, le Pays Basque, et notre objectif était de donner aux autorités locales une autre façon de gérer, pour mieux gérer leurs déchets marins. Aujourd'hui, la gestion des déchets marins se fait surtout sur les plages. Quand les déchets arrivent sur les plages, on les enlève. Mais on voulait aller une étape plus loin et les nettoyer quand c'est encore dans l'océan. Et qu'est-ce qu'on a fait? On voulait aussi impliquer les citoyens dans ce projet et on voulait les sensibiliser à ce problème. Donc, comment faire? Simplement, je dis simplement, c'est simple, c'était simple maintenant, mais c'était pas si simple que ça. Nous avons impliqué les pêcheurs dans ce projet. Les pêcheurs nous ont aidés à attraper cette pollution marine qui était dans la mer, qui l'est toujours. Et grâce à eux, on a des données sur les endroits de la mer dans lesquels on peut trouver ces déchets marins rassemblés. On a également des données grâce à eux pour savoir quel type de déchets marins flottent sur nos côtes. Et on a également fait participer des écoles, des bénévoles sur la côte. Dans ces 3 années, on a des données maintenant sur les types de déchets marins qui arrivent de la mer et ce qu'on trouve sur nos côtes. Finalement, on a voulu impliquer les gens extérieurs au projet et on a des bateaux en bois que les gens ont peints. Ils ont mis des messages sur ces bateaux en bois. On va au large et on a une campagne océanographique. On relâche ces bateaux dans la mer et ensuite on attend pour voir comment les courants marins et les vents marins, où est-ce qu'ils amènent ces bateaux. Et beaucoup de gens s'impliquent dans notre projet parce que si vous surfez sur la plage, si vous vous reposez sur la plage, vous pouvez trouver un de ces bateaux et il y a des informations pour nous contacter. Et on leur dit, vous pouvez nous aider en nous disant où vous avez trouvé ce bateau, quand,
et vous pouvez également conserver le bateau, ils adorent ça. Et cela nous permet d'avoir des informations des personnes qui ne participent pas vraiment au projet. Ensuite, donc on a pu rassembler beaucoup de données venant des citoyens, et ensuite on a transformé ces données en connaissances pour savoir ce qui se passe sur nos côtes. Donc pour cela, on a fait appel à des scientifiques, une association espagnole, et on a fait participer les autorités locales de Biarritz et Guipuscoa. Nous avons des experts internationaux qui viennent pour nous parler des différents problèmes, comme Monsieur Galgani ici a participé à notre projet pour savoir ce qui se passe et ce qu'on doit faire. Je voudrais souligner que grâce à la coopération entre toutes ces parties prenantes, on a maintenant un outil qui permet de prédire où les déchets marins vont se rassembler pour qu'on puisse aller les chercher. Parce qu'avant, ça arrivait sur les plages. On a des caméras sur les rivières pour surveiller les déchets qui vont sur la plage. On travaille sur un algorithme. Et on a maintenant une meilleure compréhension des courants marins et de la façon dont les déchets marins se déplacent dans la baie de Biscaye. Je crois que nous apprenons tous. Nous avons sorti 28 tonnes de déchets marins de la mer, donc on a aidé à protéger l'océan. Et la principale chose que nous avons appris, c'est que c'est seulement ensemble que nous pouvons faire face à ce défi global des déchets marins. Merci Maria. C'est un projet très, très intéressant. Maintenant, nous avons vu l'aspect scientifique avec beaucoup de parties prenantes. Maintenant, on va voir un autre exemple. On a mentionné le rôle de l'intelligence artificielle et on va faire appel à Microsoft. On connaît tous Microsoft, mais moi, je ne savais pas. Je vais apprendre maintenant. Je ne sais pas comment. Et là, ils utilisent l'intelligence artificielle pour nous aider à collecter des données sur les déchets marins. I will not use any PowerPoint and I will speak in French. Juste en quelques minutes, parce que c'est un sujet très, très complexe, l'idée c'est d'utiliser l'intelligence artificielle pour essayer d'identifier, détecter, cartographier un certain nombre de phénomènes qui touchent effectivement au changement climatique et aux problématiques de la planète. On a lancé une initiative, et SurfRider s'est inscrit dans cette initiative, j'y viendrai dans un instant, qui s'appelle AI for Earth, la technologie pour la planète, l'intelligence artificielle pour la planète, autour de quatre grands thèmes que sont l'agriculture, la biodiversité, le changement climatique en tant que tel, et la préservation des océans et la question de l'eau. Et dans ce quatrième pilier, même si les quatre piliers sont très liés, évidemment, SurfRider Foundation, et je voudrais saluer le travail d'Antoine Bruges à cet égard, est venu pitcher devant l'initiative Share AI un projet apparemment simple, mais qui demande de la ressource technologique, qui consiste à identifier et cartographier les déchets qui sont dans les rivières. Ça a été dit, je crois que la ministre l'a indiqué tout à l'heure, c'est 80%, d'après les Nations Unies, 80% des déchets qu'on trouve dans les océans qui viendraient des rivières. Et je notais en préparant l'intervention que ça m'a stupéfait que le Danube charriait toutes les heures 174 kilos de déchets qui allaient dans la mer Noire. Alors, le beau Danube bleu a bien changé depuis qu'on le chantait. Et c'est assez frappant. Et donc l'idée, c'est d'arriver à identifier et cartographier avec une modélisation à partir des images qui sont récoltées via
des appareils photo qui peuvent être les smartphones ou des GoPro par exemple, qui seraient placés sur des kayaks le long des rivières, de collecter ces informations et à travers une modélisation, eh bien, d'avoir une ressource d'information qui permet d'identifier et d'anticiper et éventuellement de traiter. Et ce qui renvoie à une deuxième dimension que j'ai trouvée très intéressante tout au long des débats et dont on parle encore sur cette table ronde, qui est l'implication de tous. Parce que dans cette idée, il y a donc l'aboutissement de créer une application, une apps, Riverin, qui serait disponible en open source, que chacun pourrait utiliser, chaque citoyen, pour essayer justement de faire ce travail d'identification. C'est du crowdsourcing en quelque sorte, et ça démultiplie les implications. Et c'est d'autant plus amusant de le signaler que le projet est construit avec l'école IA, l'école d'intelligence artificielle de Microsoft, avec des décrocheurs qui sont des jeunes, qui sont rentrés dans l'apprentissage de l'intelligence artificielle et qui se sentent impliqués dans ce projet-là. Et j'en retire une leçon forte à cet instant, c'est que sur ce sujet, c'est une mobilisation de tous qui est importante, et finalement la technologie vient en support. Elle n'est que l'outil. Elle n'existe que comme un outil, mais dont tout le monde doit pouvoir se servir. Et quand le projet aura abouti, et on en parlait avec Antoine tout à l'heure, c'est sans doute vers octobre, en tout cas pour le premier pilote, c'est quelque chose qui, à terme, pourra être utilisé par chacun d'entre nous pour essayer de faire ce travail de cartographie. Et c'est là que l'intelligence artificielle, avec les algorithmes, la puissance de calcul, permet de modéliser ce que, seul, avec nos petites mains, on aurait du mal à faire, et donc de permettre de réaliser des outils à partir desquels on pourrait faire ce travail le plus en amont possible, parce que s'il n'y a pas une mobilisation de chacun d'entre nous, c'est un peu vain, vous le soulignez, François, à l'instant, de vouloir draguer tout ce qu'il y a dans les océans. Le mieux, c'est de faire en sorte qu'il n'y arrive pas. Et pour ça, c'est un travail en amont qui doit être produit. Et c'est là que l'intelligence artificielle peut nous y aider de manière tout à fait spectaculaire. Donc, c'est une manière de se dire que la technologie, finalement, c'est très simple, dès lors qu'on la met au service d'un projet d'intérêt général. Merci beaucoup. Thanks a lot. Very inspiring as well. I'm looking for. C'est très inspirant. J'attends avec impatience de voir les premiers résultats. C'est très intéressant de voir qu'avec les nouvelles technologies, on peut faire beaucoup de choses pour collecter des données et ensuite pour nous aider à voir quelles mesures sont les plus efficaces pour la production en plastique. Deux grands exemples, je vais revenir en retour. J'ai commencé ceci avec des pellettes. Tim est un grand fan de pellettes. Donc il va nous raconter comment c'est un microplastique qui était vraiment problématique, et grâce à la science citoyenne et de l'information sur le terrain, ça se trouve maintenant sur l'agenda politique. Il va nous en parler un petit peu plus en détail. Let me begin by passing around some. Je vais d'abord vous faire passer des granulés que j'ai pêchés il y a 20 ans au Costa Rica. Je vais vous parler des granulés, des pellets. Je vais vous dire ce qui se passe. Vous voyez, j'ai trouvé un titre. Qu'est-ce que sont les granulés? On les appelle aussi des résines ou des larmes de sirène. C'est pas si joli que ça. Mais je sais, c'est pas comme ça que je les appellerais. Ce sont les matériaux, les matières premières pour fabriquer les plastiques. Donc vous pouvez avoir trop des accidents d'éthane. Donc on en fait de l'éthylène, du polyéthylène, et ça fait du plastique. Et c'est là que vous avez des granulés qui sont de la taille d'une lentille. Plus de 350 millions de tonnes sont produites chaque année dans le monde. Parce qu'on a une addiction au plastique, et ça va doubler dans les 10 prochaines années. Donc on va subir une avalanche. C'est la deuxième source de pollution microplastique, c'est-à-dire il rentre dans l'environnement sous forme de microplastique.
la deuxième, les autres sont les textiles. Quand on parle des textiles, le problème et la solution n'est pas aussi facile. Et il faut étudier, examiner quelles sont les solutions possibles. Les granulés sont disséminés dans l'environnement. Je vais vous dire par qui. Voici une citation d'un article que je viens de lire. Les granulés plastiques vierges sont le plus grand désastre, la plus grande pollution dont on n'a jamais entendu parler. Qui sont les pollueurs? J'ai parlé des producteurs, ceux qui fabriquent les granulés à partir du pétrole et du gaz. Il y a les recycleurs qui les fabriquent à partir des déchets plastiques. Ils les cisaillent, les convertisseurs qui les font fondre et en font des granulés. Et vous avez tous les intermédiaires. Ce sont eux qui les amènent des producteurs ou des recycleurs aux convertisseurs, ceux qui fabriquent les produits. Il y a les transporteurs, ceux qui font des lots. C'est quelqu'un qui sait qu'est-ce qu'il faut ajouter comme produit chimique à la résine pour lui donner une certaine qualité. Par exemple, si vous voulez des guidons pour votre vélo, vous voulez qu'ils soient orange, vous ne savez pas comment le faire en tant que convertisseur pour votre client, vous allez voir un intermédiaire qui va vous dire comment le faire. Vous avez les distributeurs, les hangars et les transporteurs. Et donc, on perd des granulés tout le long de la chaîne. Les sacs, des sacs qui sont percés, ils sortent d'un silo, par exemple. Il y en a partout et ils vont dans l'océan. Ils ne flottent pas. Ça dépend de la densité du plastique. Donc, ce qu'on vend, ce qu'on trouve sur la plage, ce sont ceux qui flottent. Mais il y a des granulés de plastique d'autres densités qui sont dans la colonne d'eau ou qui sont sur le fond marin. Je vais vous dire comment cela a été influencé par la science participative. Est-ce que vous avez entendu parler de la chasse, la grande chasse aux granulés? Ça a commencé en 2012 en Écosse pour encourager les citoyens à aller sur les plages et à chercher les granulés pour mettre en lumière le problème. C'est un engagement pour montrer aux leaders le problème. En 2012, ça a commencé. MCS est arrivé pour en parler davantage dans toute, en faire la publicité dans toute l'Écosse, pour informer les citoyens comment faire. Ils ont rédigé des documents pour expliquer ce qu'était un granulé. Les différents granulés. Ils ont créé une carte en 2014 qui a été mise à jour continuellement depuis. C'est intéressant parce que quand on parlait des granulés, les décideurs disaient on n'en a jamais vu. Mais après la grande chasse aux granulés, et d'autres activités similaires en Italie, en France et dans d'autres pays. Il y a un réseau global. Les chasseurs de granulés, maintenant, on n'a plus ce problème. Maintenant, les décideurs ne peuvent pas dire on ne connaît pas le problème. Non, maintenant, il y a des cartes, il y a des concentrations. C'est une forme de science qui montre la prolifération du problème et les concentrations. Donc, c'est un message pour les décideurs. Donc, la science participative a été très importante pour informer les décideurs. Voici la veille internationale des granulés. On demande aux gens d'envoyer
d'envoyer les granulés qu'ils trouvent sur les plages et de les envoyer pour qu'on les analyse. Et ensuite, on peut mesurer la concentration de POP dans ces granulés. Quel est l'impact des citoyens? On a vu beaucoup d'actions dans différents lieux. Marine Scotland, c'est là que ça a commencé, quand ils ont nettoyé les plages et les chasses granulées. Il y a des comités, des groupes directeurs qui essaient de trouver une solution pour que chacun, le long de la chaîne de fabrication, soit impliqué et réduise la pollution. Il y a un groupe de travail à l'OSPAR. La Commission européenne, dans la stratégie plastique, ils ont financé une étude. Il y a des mesures qui ont été préconisées, des normes, BSI, BRC. On rédige des normes pour que les entreprises ne perdent pas ces granulés. Et récemment, nous avons la charte plastique océan G7. Donc c'est là que les citoyens ont un impact. Il n'y a pas de solution, ce n'est pas résolu. Il faut des engagements très fermes de la part de tous ceux qui manipulent ces granulés. Il y a encore beaucoup à faire, mais c'est juste pour vous montrer qu'on a un problème qui maintenant est entre les mains des décideurs et des politiciens. Il faut savoir voir maintenant ce qu'on va faire et comment on va le faire. Merci beaucoup, Tim. C'est un exemple très concret de la science participative qui nous montre où est le problème et aller vers les décideurs. On se rapproche de plus en plus des décideurs. Marco va être notre dernier intervenant. Il travaille pour la Commission européenne, il travaille sur la recherche et l'innovation. Et peut-être il va nous présenter, il va aborder un angle plus large. Il y a un exemple de mesure des microplastiques présents dans l'environnement et comment la science participative peut contribuer et comment la recherche peut y contribuer. Et Marco va également nous dire comment la recherche peut aider à lutter contre la pollution plastique. Merci. Thank you. Mais je voudrais quand même dire bonjour à tout le monde en français. Et je veux m'excuser un tout petit peu parce que, étant le dernier orateur, j'ai toujours le problème de ne pas répéter ce qui a déjà été dit. Donc, vous allez voir que certaines choses, je vais faire très rapidement parce qu'on en a déjà parlé l'un ou l'autre aujourd'hui ou hier. Et je vais essayer d'avancer le plus vite possible. La grande question est toujours qu'est-ce que la recherche et le développement technologique peut contribuer à rendre nous une notion qui soit sans plastique. Sans plastique, sans grand plastique, sans microplastique, sans nanoplastique, tout ce que vous voulez. Et ça, c'est la grande question qui se pose. Alors, je vais essayer de comprendre comment ça marche. Voilà. OK, sorry. Donc, ici, vous avez quelque chose. J'ai commencé avec Microsoft et j'ai terminé sur Apple. Donc ici, vous voyez toute la complexité de la chose. Au-dessus, vous avez les acteurs économiques, les fabricants. Vous avez les vendeurs, les épiceries. Entre les deux, vous avez la société. Et en bas, vous avez l'environnement. Et c'est une sorte de caricature de ce qui se produit. Et là, vous voyez en rouge où vous pouvez intervenir, où la recherche scientifique peut contribuer à trouver une solution. Une fois que le plastique se trouve dans l'environnement et l'océan a plus de 1 milliard de mètres cubiques qu'on ne peut pas nettoyer.
avec les chefs de la là vous allez voir que ce n'est pas seulement l'océan qui est problématique, mais aussi les sols, les lacs, les rivières et l'air. N'oubliez pas que l'air transporte aussi des fines particules et on peut voir ces particules à des milliers de kilomètres sur le fond de mer. Donc ça vous montre jusqu'à quel point c'est puissant, le vent dans l'atmosphère pour transporter les choses. On a confirmé que des microplastiques peuvent se trouvent dans l'Arctique, transportés dans l'air. Ce diagramme vous montre comment ces plastiques entrent dans l'océan. Mais vraiment, ce dont je voudrais vous parler, ce sont les sources et ce qu'on peut faire, ce qu'on ne peut pas faire. Il y a différentes sources de microplastiques, vous savez, des sacs, des mégots, des cosmétiques, des pneus de voiture et beaucoup d'autres. Vous les connaissez déjà. Mais ce qu'on oublie souvent, c'est que les microplastiques, c'est certainement la plus grande source de microplastiques en se dégradant. François a démontré avant, que le poids, avec le poids et les pourcentages, et si on regarde le poids, il y a beaucoup plus de microplastiques que les nanoplastiques. Où est-ce qu'on a besoin de la recherche? Au niveau européen, nous avons un certain nombre d'outils qui sont disponibles. Nous avons un directive cadre sous-marin. Nous avons le package de l'économie circulaire avec toute la législation concernée. Et nous avons la communication planète propre avec ce qu'on y rajoute pour avoir une économie sans CO2 pour 2050. Cela a aussi beaucoup d'impact sur ce que nous faisons en ce qui concerne les plastiques. Il y a toute une série de choses où nous pouvons travailler avec la recherche et la science. Du côté de la manufacture, où est-ce qu'on place les plastiques et quelles sont les contraintes pour avoir de la sécurité? Comment on peut éviter des plastiques à usage unique où il y a des alternatives? Et on a déjà entendu parler des lotions sans micro ou nanoplastiques. Il existe des alternatives parfois. Depuis quelques années, le professeur Marc Mazzucato a développé le concept plus approfondi. Le prochain accord cadre de 7 ans, l'exemple dont il dispose, c'est un océan sans plastique. Nous allons découvrir la mission et plusieurs personnes ici se trouve sur le conseil d'administration. Et la mission, ce n'est pas uniquement la recherche, mais il y a aussi des cibles. Et on a entendu parler des exemples de comment faire sortir certains plastiques de l'océan ou ne pas les mettre au début. Mais vous devez faire partie de la solution, on a besoin de tout le monde. Ce n'est pas simplement la recherche qui va résoudre le problème. La recherche peut y contribuer. Les scientifiques peuvent vous guider à faire ce qui est le plus efficace. Mais ce n'est pas
uniquement la recherche ou la technologie qui peuvent vous aider. Il faut changer son comportement, il faut éviter des fuites dans l'environnement par tous moyens, à tous les niveaux. Et nous essayons d'y arriver en Méditerranée où nous avons lancé des préparations pour un grand pilote qui implique des membres États, des pays du Sud qui ne sont pas membres aussi. Et beaucoup de ces choses se font à terre. Pour éviter que le plastique arrive en Méditerranée, qui est plus pollué que la grande vortex pacifique. Merci à l'équipe au fond qui a réconcilié Apple et Microsoft très rapidement. thank you so much all of you. A few things. Je voudrais vous remercier. Et je voudrais ouvrir le débat au public. Nous voyons l'importance de la collaboration entre les personnes, entre des citoyens jusqu'aux entreprises qui disposent peut-être des technologies avec le soutien d'un financement public, etc. Donc, je pense que c'est une facette très importante de cette table ronde. J'avais une question avant d'ouvrir le débat au public. Nous avons regardé comment collecter des données pour trouver les bonnes solutions et où il faut mettre la priorité. Mais l'une des choses que nous voyons lorsque nous entrons dans des discussions internationales, c'est que parfois on ne peut pas comparer les données. Quels sont les protocoles? Les protocoles sont différents. Et avec la science citoyenne, parfois il y a des protocoles différents. Et je voulais savoir, François, si tu pourrais nous parler un peu plus du travail qui se fait à niveau international pour organiser une mise en commun de ces méthodes. Oui, bien. Of course. In fact, there was a session last year. Les marines débris à San Diego qui a lancé une initiative vers une surveillance globale. L'idée a été reprise largement à l'UNEA. Et même au sein de tout un ensemble d'institutions, avec le besoin, comment dire, d'un support technique à toutes les activités. Alors, ce n'est pas seulement la surveillance au sens acquisition de données. Et puis, il y a également l'océan des cadres qui donne un cadre très favorable, justement, à l'harmonisation des procédures. Et la réunion du G7 à Metz au mois de juin l'année dernière, cette année, pardon, sous la présidence de la France, a proposé, justement, une harmonisation des procédures au sein des conventions des mers régionales de façon à arriver à avoir quelque chose de global. Donc, le mois prochain, il y aura une réunion qui s'appelle Océanops, qui a lieu tous les 10 ans, ça c'est particulier, où on discute tous les grands programmes internationaux de surveillance de l'océan. Donc toutes les institutions sont représentées, y compris la Commission océanographique internationale et autres. Et c'est là où on va discuter un petit peu les futurs termes de référence pour une surveillance globale. Donc c'est important parce qu'on a un contexte qui est très favorable. On a des implications de tout un ensemble d'institutions, à la fois internationales et d'institutions scientifiques de tous les pays. Et puis, il y a des modèles en plus. On a eu l'exemple de la directive stratégie marine, avec la possibilité d'une surveillance harmonisée avec plusieurs pays, des recommandations en termes de mesures. Et quand on voit le succès de la directive stratégie marine, avec dans la foulée la directive sur les plastiques à usage unique, qui est la directive la plus rapide dans l'histoire de la Commission européenne, où en 7 mois, quasiment tout a été bouclé, on peut imaginer qu'on a des conditions très favorables à quelque chose qui aura une portée, disons, plus globale. Quoi, voilà. Merci. And is there any question from... Y a-t-il des questions dans la salle? Je suis Hervé Millet, je représente Plastics Europe, les producteurs de matières plastiques. Voilà, donc ce n'était pas vraiment une question, c'était plutôt une intervention et un témoignage. C'était simplement pour témoigner de la motivation et de l'engagement des producteurs que je représente ici. De participer à la lutte contre les déchets marins et notamment les déchets plastiques marins, et notamment ceux qui nous concernent particulièrement, qui ont été cités ici, qui sont
les granulés plastiques qui sont produits dans nos usines, transportés, transformés, etc., et effectivement qui de temps en temps s'échappent, et notamment au travers de donc notre engagement se traduit au travers du programme qui a été cité par monsieur, qui s'appelle Operation Clean Sweep, qui est un programme volontaire de mise en place de bonnes pratiques dans nos usines, à tous les stades de la manipulation des granulés plastiques, et qui n'est pas d'ailleurs seulement destiné à être endossé par les producteurs, mais par toute la chaîne de valeur. Et aujourd'hui, donc nous publions chaque année un rapport d'avancement de la mise en place de ce programme-là. Le dernier a été publié il y a quelques mois. Aujourd'hui, la quasi-totalité des membres de notre association ont signé cet engagement volontaire. Voilà, et c'est devenu une priorité de notre industrie. Donc voilà, c'était simplement pour partager avec vous notre motivation à apporter notre contribution à ce sujet-là. Je citerai aussi, même si c'est pas une initiative de l'ensemble de notre industrie, mais une initiative d'un certain nombre d'industriels au niveau mondial, qui s'appelle Alliance to End Plastic Waste, dont vous avez peut-être parlé précédemment, voilà, qui est destiné à financer un certain nombre de projets pour lutter contre les déchets marins et les déchets plastiques en mer. Voilà. Merci. I don't know. I just want to offer. Je veux donner à Tim, vous voulez en parler? Plastics. Nous voyons ces efforts. Nous pensons que ça ne devrait pas être un engagement volontaire. Il faudrait que ce soit une obligation pour les entreprises. Il faudrait que tout soit impliqué. Et peut-être qu'on pourra s'engager là-dessus ensemble. Je pense que c'est le plus agréable. C'est chouette de vous avoir ici. Je pense que si vous nous lancez avec Tim, on sera ravis de continuer la discussion Pellets autour d'un verre de vin. Sur l'alliance, on n'a pas vraiment discuté aujourd'hui. C'est donc l'alliance s'appelle Alliance to End Plastic Waste, et c'est une alliance qui a été lancée par un certain nombre d'industriels, beaucoup liés à l'industrie pétrochimie, et qui vise à investir, si je dis des bêtises, dites-moi, qui vise à investir, je crois, 1,5 milliard de dollars, je pense. Ça n'a pas beaucoup de différence ces jours-ci, dollar-euro, pour aider un certain nombre de pays, notamment ceux où on retrouve énormément de déchets au niveau des côtes, dans la gestion des déchets. Alors, on est assez intéressé par l'initiative. Là où je me suis pas vraiment présentée, mais je m'appelle Justine, je travaille pour Rethink Plastic, qui est une coalition d'ONG qui travaille sur les questions de politique européenne. Sur le plastique, qui fait partie du mouvement Breakthrough from Plastic. Là où on est un peu plus précautionneux, où on se pose des questions, c'est que certes, il y a cet investissement de 1,5 milliard de dollars dans des investissements de gestion des déchets. La question, c'est quel type d'investissement ? Est-ce qu'on parle de juste tout incinérer ? Est-ce qu'on parle de mettre en place des systèmes de réemploi, de recyclage ? Ça, c'est une première question. La deuxième question, c'est que on a fait un peu les maths et que, en parallèle, ces organisations qui font partie de l'alliance investissent à peu près 80 fois ça. Donc, on est, je crois, arrivé à 89 milliards de dollars dans la production et dans l'expansion de plans pétrochimiques. Donc, il y a cette volonté de peut-être mieux gérer les déchets ou d'aider, en tout cas. Mais si on continue à augmenter la production de plastique telle qu'on le fait,
Il n'y a évidemment aucune solution à ce dont on est en train de discuter. Donc, on l'a dit tout l'après-midi, la première solution, c'est stop the tap, arrêter la production et donc créer de nouvelles infrastructures pour créer du plastique peu cher pour faire des emballages à usage unique ne va pas créer la solution. Donc, encore une fois, très ouverte à la discussion, un projet intéressant, mais comme vous l'avez mentionné, je suis obligée aussi de dire qu'on a quelques inquiétudes là-dessus sur l'investissement qui est mis sur cet aspect par rapport à la continuer la production et donc le business à joujou. Et il y avait d'autres questions. Bonjour, je suis Hélène et je représente en fait une petite association locale qui s'appelle Ressac, mais qui fait partie d'un mouvement mondial qui s'appelle Precious Plastic et qui est un mouvement de citoyens partout dans le monde, sur tous les continents, et qui aujourd'hui œuvre à implanter de façon locale mais globale des ateliers de revalorisation de tous ces déchets non valorisés par les grandes industries actuelles. Et donc j'ai beaucoup entendu parler d'entreprises, d'Europe, de monde, d'organisations très impliquées dans toutes les futures décisions du monde. Cependant, j'aimerais savoir quelle est la part que vous allez accorder ou que ces grandes institutions vont accorder à ces gros mouvements citoyens qui, avec très peu de moyens, ont des réelles solutions sur le terrain, et notamment dans beaucoup de pays, en Asie, en Inde, en Amérique du Sud, et bientôt ici au Pays Basque, à Biarritz. Voilà, je voudrais savoir quelle est, dans le futur, la place de ces milliers d'associations qui œuvrent au quotidien pour trouver des solutions concrètes. Oui. Alors, il y a des initiatives qui sont au niveau national. Je connais l'exemple de Recyclons. Ce sont des pêcheurs qui recyclent et qui font des objets à partir de plastique recyclé. Il y a également de très belles initiatives qui sont largement supportées, y compris par l'industrie. Non, c'est pas des entreprises industrielles, mais il y a des gens qui sont capables d'extruder des plastiques collectés dans le milieu naturel, sur les plages et autres, et d'en faire des spaghettis, des filaments, et de fabriquer avec des imprimantes 3D tout un ensemble d'objets, avec un véritable marché. Et ça correspond tout à fait un petit peu comme on appelle ça, il y a eu un prix Nobel sur l'économie locale, la possibilité de monter des entreprises artisanales et sur des marchés locaux justement de valoriser. Donc je sais que ça existe en Grèce, je sais que ça existe en Hollande, je sais que ça existe dans d'autres pays européens. Donc, vous en avez parlé, il y a d'autres initiatives. Manifestement, c'est le genre d'initiative qui répond exactement à la demande au point de vue local. Autant il y a des mesures qui peuvent être prises qu'au niveau national, l'interdiction des sacs plastiques ou international à usage unique par exemple, autant il y a soit des décisions, soit des initiatives qui ne peuvent être que locales. Il y a d'autres exemples, par exemple pour le tabac, l'interdiction de fumer, ce sont uniquement des prérogatives des communes, c'est les maires qui décident. Et on ne peut pas, au niveau national, interdire de fumer sur des plages, alors que dans certains cas, ce sont les déchets les plus importants. Et par contre, les maires peuvent. Alors évidemment, il y a des villes, vous imaginez bien que Ibiza ou Mykonos, ils vont avoir du mal à interdire de fumer, pour des raisons économiques, simplement. Il y a des villes où le maire a le droit d'interdire de fumer. Là, ce sont également des initiatives locales. Donc il y a de toute façon un panel de décisions qui sont au niveau des grandes institutions, nationales et autres. Et il y a toujours localement, vous savez, dans les réseaux de surveillance du ministère de l'Environnement, par exemple, sur les plages, ce sont des associations locales qui récupèrent les données. C'est organisé, c'est structuré, et joue un rôle très important également. Voilà. Merci François. Et juste pour ajouter, effectivement, je pense que tous les niveaux sont très essentiels. Cet après-midi, on a beaucoup parlé d'international, on a beaucoup parlé d'européen et de national. C'est aussi lié à la présence de des invités qui ont bien voulu venir partager leur expérience. On a aussi essayé d'amener la voix des volontaires hier et puis des projets plus locaux avec le Life Lema. Mais c'est évident que le niveau local a énormément à faire et que tous ces niveaux s'imprègnent les uns des autres et qu'avec le mouvement au niveau local vient aussi les décisions au niveau européen. Et puis on a tous ces phénomènes par exemple de ville zéro déchet qui sont vraiment des initiatives locales, parfois plus grosses parce qu'on parle aussi de certaines grosses villes et qui vont complètement dans cette dynamique. Et François veut rajouter un petit mot. Rapidement, il ne faut pas se leurrer, toutes les données qui sont présentées, par exemple pour nous, une grande partie viennent d'associations et ce sont des mesures qui sont prises localement. Donc même s'il y a une vision globale, si vous voulez, derrière, il y a beaucoup de gens qui travaillent, qui apportent énormément justement l'ensemble. Voilà. Hi, Angela Howe.
Angela House, Surfrider Foundation US. On lutte beaucoup contre les microfibres, ce qui sort de vos vêtements et qui rentre dans les cours d'eau. Est-ce que vous avez travaillé sur les microfibres? Est-ce que vous avez des solutions que vous pouvez recommander? Je ne suis pas expert en microfibres du tout, mais il y a eu une étude sur les microplastiques qui rentrent dans les eaux européennes, qui a été mandatée par la Commission européenne. Et l'une des raisons... les textiles, le défi, l'enjeu, à cause des problèmes dans l'industrie textile, c'est différent. Il y a des filtres. Il faut parler aux fabricants d'installer des filtres dans les machines à laver. Il y a une conversation. Est-ce qu'il est vrai que la moitié des microfibres sortent des vêtements dans les deux premiers lavages? Donc on peut les éliminer en amont. Donc il faut parler aux fabricants de machines à laver. Il faut faire installer des filtres. Il faut essayer d'éliminer ces microfibres en faisant un pré-lavage dans les usines. Donc ce sont les mesures que je sais qu'on travaille dessus. Notre ministère a dit que dans la déclaration qu'on prévoit de faire quelque chose avec les plus grosses sociétés pour réduire la fabrication des fibres, des déchets des fibres textiles. Et la solution, bien sûr, c'est de passer au coton. Est-ce qu'il y a une autre question? Je ne sais pas combien de temps il nous reste. Pas beaucoup. On a les ports doivent compenser le coût des initiatives de la pêche aux déchets, mais ils doivent également signaler à la Commission les données de surveillance sur ce qu'ils trouvent. Donc maintenant, les données qui doivent être communiquer, et ça doit être adopté dans tous les ports européens ou de l'Union européenne. Je ne savais pas ce que vous faisiez, donc je me demandais si vous pouviez parler de ce que vous surveillez en termes de données, les marques, les quantités, quand vous allez à la pêche aux déchets. On ne cherche pas les marques. Ce qu'on surveille avec Fishing for Later, c'est quand les déchets arrivent sur la Terre, on les trie par type pour voir ce qu'il y a, pour voir si c'est surtout des fibres, des plastiques, quel cycle de plastique, et c'est ça qu'on fait. On a également dans les trois années du projet, on a montré qu'on sortait moins de quantité de déchets qu'au début, qu'on s'y attendait. C'est là qu'on a commencé à chercher des microplastiques, parce que le poids du plastique est supérieur. Par exemple, ici, dans le golfe, sur la côte sur laquelle on travaille, on a trouvé que les tonnes qu'on sortait de l'océan étaient surtout du côté français, mais pas du côté espagnol. Donc là, on a commencé à chercher les microplastiques. Et on fait des recherches là-dessus. Et sur les plages, on travaille avec le protocole d'Oxford.
et on travaille avec cette liste et on a besoin de ces données de surveillance pour les soumettre au ministère espagnol pour qu'ils puissent disposer de toutes ces données. Sinon, je vais conclure sur quelques mots et on a une petite vidéo pour finir. Merci à tous. Des exemples très inspirants du rôle de la science participative. Je pense que ça vous a peut-être donné envie de vous retrousser les manches et aussi commencer à faire vos propres collectes. Et il y a plein d'organisations qui peuvent vous soutenir là-dessus. Et comme vous le voyez, ce n'est pas du travail en vain. C'est quelque chose qui va vraiment servir la détermination des mesures les plus effectives pour mettre fin à la pollution plastique. Et du coup, on va juste finir par une petite vidéo qui revient sur le projet qui a été mentionné plus tôt par Marc, qui est un projet de Surfrider Europe qui s'appelle Riverine Input et qui vise à mesurer les microplastiques et les plastiques dans les rivières et avec lequel, donc sur lequel Microsoft s'est engagé avec Surfrider. Donc on va avoir une petite vidéo et ne quittez pas la salle juste après ça, on aura une petite session de conclusion avec, je crois, le commissaire de Bruxelles par vidéo et Madame Catherine Chabot ici présente. Merci. Je m'appelle Antoine, je suis passionné de surf. Je passe beaucoup de temps dans l'océan, dans la nature. J'y vois beaucoup de déchets et c'est ce qui m'a donné envie d'agir pour la protection de l'environnement. La majeure partie des déchets que l'on retrouve dans l'océan provient de l'intérieur des terres et est transportée par les cours d'eau. Alors pour vaincre cette pollution plastique, on a besoin de réaliser un état des lieux, une cartographie de la pollution plastique des fleuves et des rivières. C'est pourquoi j'ai créé un programme au sein de Surfrider pour cartographier cette pollution grâce à une application de géolocalisation des déchets. Cette application, accessible à tous, permet la création collaborative d'une carte qui localise précisément les territoires contribuant le plus à la pollution plastique. Nous avons déjà récolté des données sur plusieurs sites en France. Et l'objectif maintenant, c'est de venir compléter cette carte pour agir efficacement sur les zones qui sont le plus touchées. Il est temps de stopper l'invasion plastique et vous pouvez y contribuer. Oui, merci encore beaucoup à tous nos intervenants de cette session et de la première également. Alors on arrive à la dernière étape de cette troisième journée du pavillon océan dédié à la pollution plastique, celle de la conclusion. Nous allons avoir trois interventions. Merci de votre patience et de votre mobilisation sans faille. Donc on va démarrer par Angela Ho. Je suis vraiment très honoré, très ravi de l'avoir parmi nous. C'est notre collègue de Surfrider US. Alors j'essaierai de traduire Legal Director par directrice du plaidoyer peut-être. Je ne sais pas, c'est les terminologies qu'on utilise. Angela, si tu veux bien venir partager avec nous quelques mots de conclusion. Thank you. Thank you. Oh sure, I'll get up here. So Donc, mon collègue Chad Nelson était à l'origine à l'agenda. Il est notre directeur général et lui a pris ma place la semaine dernière pour les restaurants. C'est moi qui prends sa place ce soir. Je voulais juste présenter quelques points de plus pour vous dire ce qui se passe aux États-Unis en ce qui concerne la pollution au plastique. Et ensuite, je vais vous parler de la collaboration. Pour les États-Unis, j'ai parlé des associations, des événements de terrain. Mais
ce dont je n'ai pas parlé du fait que c'est dirigé vraiment par les bénévoles. Nous avons plus de 100 clubs dans les lycées, les collèges et 80 chapitres. Nous leur donnons des boîtes à outils avec des arguments sur pourquoi les interdictions de certains plastiques marchent, des arguments en faveur de la législation contre les plastiques à usage unique, quels sont les contre-arguments, et je pense que vraiment c'est notre succès réside vraiment dans ces actions. Parce qu'il y a eu une attention au niveau local et même au niveau fédéral à ces problématiques. À San José, en Californie, il y avait une interdiction de sacs en plastique et maintenant nous effectuons des nettoyages et on voit 89%, 75% de moins de déchets en plastique dans les rues et 89% de moins dans les rivières. Et dans toutes les autres localités dans les États-Unis, il faut y aller et les convaincre de mettre en place leurs propres efforts contre les plastiques. Donc, cela fait une grande partie de ce que nous faisons. Nous avons besoin de savoir, d'avoir plus d'informations, de données sur ces actions. Il faut savoir s'ils sont efficaces et dans quelle mesure. Quel est le changement dans le comportement? Nous demandons depuis une décennie. Nous avons commencé à éduquer les gens sur le problème. À quel point est-ce que le basculement s'effectue? À quel point est-ce qu'il faut mandater, obliger les entreprises à réduire le matériau. Donc, je ferai un appel aux autres associations environnementales de faire attention à ce point. Et j'aimerais parler aussi un petit peu de la collaboration internationale. C'est essentiel que nous travaillions ensemble. En travaillant avec l'association Break Free from Plastic, c'était quelque chose d'essentiel. Ils ont recentré leur position, pas uniquement sur Friday, mais changeant le narratif en regardant un moment aux actions des entreprises, en dénonçant les entreprises qui ne respectent pas. En octobre, on va voir on va voir plus où on en voit. Il y a des pays hautes consommateurs et les pays comme l'Indonésie où les déchets terminent. Comment est-ce que les enfants qui utilisent un four en Indonésie qui utilisent du plastique pour se chauffer, comment est-ce qu'ils sont impactés? Aux États-Unis, dans l'asthme, les taux d'asthme aux États-Unis. Quels sont les impacts sur la santé dans les communautés à moindre ressources? On a besoin de plus de collaboration. Nous avons jusqu'ici bien travaillé. Et avec le G7 qui arrive d'ici quelques jours, il faut évaluer qu'est-ce qu'on peut faire à ce niveau international. J'ai fait beaucoup à un niveau local, en collaborant avec d'autres ONG, en éduquant les gens, aidant les gens à comprendre que cela contribue au changement climatique, que cela impacte les communautés à des ressources moins élevées. Mais comment est-ce que ça va se traduire sur la scène internationale? Qu'est-ce qu'il faut s'attendre du G7? Nous avons eu une conversation très intéressante avec la ministre française de l'Environnement, que je voulais vraiment vous remercier d'avoir organisé cet échange. Toute l'équipe ici a fait un travail merveilleux. Et elle a dit, j'ai posé la question, qu'est-ce que nous pouvons faire?
comment est-ce que la France et l'Europe peuvent maintenir, rester dirigeants. Parce qu'aux États-Unis, on a parlé beaucoup, mais n'ont pas vraiment fait beaucoup au niveau international, au niveau fédéral. Elle m'a répondu que tout ce qui se fait a besoin d'un soutien de base sur le terrain, qu'il y aura des engagements internationaux et que la France vraiment c'est un des leaders dans ce champ. Mais il faut que les citoyens se parlent, il faut parler à ses parents, à ses amis, à ses frères et sœurs, et dire pourquoi le plastique est nocif à notre environnement et qu'est-ce qu'on peut y faire. Ce n'est pas uniquement les individus, c'est pas uniquement leur responsabilité. Il faut de la législation, il faut une compréhension approfondie, il faut que les entreprises changent, mais il faut une activation locale, mais ça se passe souvent au niveau local. Et on a vu qu'à Biarritz, ils ont été vraiment leaders dans cela. Et finalement, nous avons parlé de la multidisciplinarité de ce problématique. Je pense que demain, nous allons parler plus du climat et l'utilisation durable des ressources. Plus que je le vois, plus que je vois, plus que je pense que c'est simplement à la base repenser notre vie moderne. Est-ce que j'ai besoin d'aller en voiture? Est-ce que j'ai besoin de cette bouteille en plus? Qu'est-ce que cela fait aux planètes? Comment est-ce que je peux repenser ma vie quotidienne? Comment est-ce que je peux repenser nos ressources et faire les changements nécessaires? Merci Angela d'être parmi nous. Je voulais aussi te souhaiter bon anniversaire parce que c'est l'anniversaire, c'est le 35e anniversaire de Surfrider aux États-Unis. Donc bon anniversaire à Surfrider aux États-Unis. Commissaire européen à l'environnement, Carmen Ouvella, je pense que ça n'aura échappé à personne, il n'est pas parmi nous, mais il nous a fait le plaisir et la gentillesse de nous partager une petite vidéo. Donc si nous pouvons lancer les petits mots de conclusion de notre commissaire européen. Merci. Ladies and gentlemen. Mesdames et messieurs, merci de me donner l'occasion de vous parler aujourd'hui. Toute la semaine, vous avez fait sonner l'alarme bleue pour le pavillon de l'océan. Surfrider est un partenaire précieux pendant tout mon mandat. Nous avons partagé des plateformes, nous avons échangé des idées et nous nous sommes rencontrés. Nous avons nettoyé les plages belges ensemble. Maintenant, vous pouvez célébrer l'océan, mais c'est un moment pour souligner qu'il est urgent de protéger l'océan. Comme j'aime le dire, on n'a pas hérité la mer de nos ancêtres, nous l'avons empruntée pour aux générations futures et nous avons besoin de protéger les droits de ces générations à un océan propre. À la fin de mon mandat, je vais retourner à Malte. Je serai entourée de la Méditerranée. J'aurai les souvenirs de mon enfance, de cette mer, mais je vais aussi avoir les souvenirs des défis que nous avons affrontés depuis que j'ai grandi. La surpêche, les déchets plastiques, la pression hydrologique et la lutte pour l'espace. Tout ça, ce sont des pressions et c'est pour ça que la protection de l'océan est une priorité. À la Commission européenne, j'ai passé 5 ans à travailler très dur pour protéger l'océan, pour nos enfants, pour les pêcheurs, pour les villes côtières. On l'a fait de 3 façons. Premièrement, nous travaillons pour que la pêche soit plus durable. En 2017, nous avons signé la déclaration « Medfish Forever ». Pour la première fois, tous les pays de la Méditerranée, du nord au sud, ont signé pour avoir le même objectif, des poissons en bonne santé et une pêche durable. L'économie bleue, nous savons que la mer est beaucoup plus que la pêche. Et troisièmement, nous travaillons pour que nos eaux, nos côtes restent propres. Nous avons des écosystèmes, nous voulons reconstituer
la vie dans la mer. Nous voulons éviter la pollution plastique et nous encourageons les ports et les bateaux à ramener tous leurs déchets à la mer plutôt que de les jeter dans les ports plutôt que de les rejeter à la mer. Nous avons commencé nos dernières négociations aux Nations Unies pour protéger la biodiversité. Je suis très très fière de l'Union du rôle joué par l'Union européenne. Nous essayons de trouver un consensus européen sur le besoin de protéger l'océan. Nous faisons cela avec une croyance, nous sommes une conviction récemment, nous avons signé avec des conventions avec la Chine et le Canada. Nous voulons souligner le lien entre la protection de l'océan et la perte de la biodiversité. Grâce aux surfeurs européens, on s'occupe maintenant de la source des pollutions. Merci. Merci, Surf Rider. On peut être certain que vous allez continuer à faire résonner l'alarme bleue. Je vous remercie. Ce week-end, l'objectif qu'on a eu avec Monsieur Vella tout au long de son mandat. Dernière intervenante pour cette conclusion, Catherine Chabot. Merci beaucoup d'être là parmi nous. Elle a plein de casquettes, mais elle est ici avec deux majeurs. La première, de députée européenne nouvellement élue, viens. Mais également en tant que représentante de la coalition Ocean as Common. Je te laisse ces derniers mots de conclusion. Merci à toi et merci à toute l'équipe de Surf Rider. C'est vrai que je viens avec deux, voire même trois casquettes, parce que je suis encore un peu navigatrice, mais amateur. Hein, j'ai arrêté la compétition il y a 18 ans. Donc ça va être une conclusion, je pense, assez engagée, parce qu'en fin de compte, j'ai envie de vous faire part des sentiments qui m'habitent depuis une trentaine d'années. Moi j'ai 50 ans passés, 56, bientôt 57, et il y a eu deux événements majeurs, deux événements fondateurs dans ma vie qui sont à l'origine de mon engagement, et probablement si aujourd'hui je suis députée européenne, ça vient probablement aussi de ces deux événements. Le premier, c'est le formidable, alors je ne suis pas surfeuse, mais c'est la formidable émotion que j'ai ressentie quand j'étais gamine lors de ma première plongée sous-marine. Et mon père était passionné de mer et il faisait de la plongée sous-marine, il faisait de la chasse sous-marine. Et je suivais souvent comme je le pouvais, papa. Et cette première plongée sous-marine, j'ai découvert que la mer était vivante. C'est-à-dire que d'observer, c'est vrai, la mer de près. Le surfeur aussi doit voir qu'elle est vivante. Mais quand on plonge, voilà. En plus, c'était Tarascon, qui est un lieu de biodiversité marine absolument formidable. Et ça a été vraiment une très, très forte émotion. Donc, j'ai compris que la mer était vivante. La deuxième très forte émotion que j'ai ressentie, c'était il y a déjà presque 30 ans, lors de ma première traversée de l'Atlantique en solitaire. C'était la Mini Transat, ça a lieu tous les deux ans, elle va bientôt repartir fin septembre, cette course. Et me retrouvant, alors je voyais déjà des déchets, des plastiques sur les plages, j'en voyais en plongée, je voyais déjà des pellets, et franchement j'étais heureuse qu'on en parle aujourd'hui. Mais de me retrouver en plein milieu de l'Atlantique, face à des pains de polystyrène, parce qu'en fin de compte, le navigateur, c'est le bateau sur lequel j'étais, c'était un petit bateau de 6,50 m. Donc on est vraiment très très proche de la surface de l'océan et on voit vraiment, vraiment bien ce qui s'y passe. Et de me retrouver devant ces pains de polystyrène, ces bouteilles plastiques dérivantes, a été un vrai choc. Et je ne me suis pas dit où sont les affreux pollueurs. Je me suis sentie absolument responsable et j'ai eu un fort sentiment de responsabilité individuelle et collective. C'est-à-dire que je me suis dit, mais comment en est-on arrivé là collectivement ?
Et c'est ce sentiment très fort qui m'habite depuis une trentaine d'années et qui m'habite encore aujourd'hui. Et si nous avons, avec d'autres, lancé cet appel pour que l'océan soit reconnu comme un bien commun de l'humanité, c'est justement pour remobiliser ce sentiment très fort de responsabilité individuelle et collective, mais je reviendrai dessus. Quand je vous parlais tout à l'heure des sentiments qui m'habitent partagés, j'ai l'impression de basculer en permanence entre la consternation, l'abattement et l'espoir, l'enthousiasme. Alors je vous rassure, comme je suis une femme optimiste, finalement depuis une trentaine d'années, c'est l'enthousiasme et l'espoir qui prend le dessus. Mais je me dis, finalement, il a fallu 30 ans, puisque c'est... Finalement, il y a quelques années, hein, François Galgani, on se connaît depuis plus d'une dizaine d'années. Je suis tes travaux et les travaux des scientifiques sur ces sujets. Surfrider, on se connaît depuis pratiquement 20 ans aussi. Enfin, je ne sais pas depuis combien de temps vous existez déjà, Surfrider. Vous allez bientôt fêter vos 30 ans et on s'est rencontrés, voilà. Et c'est vrai que quand je vous vois aujourd'hui, il y a quelques années, vous œuvriez déjà, on aurait eu cette même conférence, il n'y aurait pas eu forcément le monde économique dans la salle, il n'y aurait pas eu Microsoft dans la salle, on n'aurait pas parlé d'intelligence artificielle. Donc à la fois l'abattement, mais l'espoir, parce que finalement ça évolue formidablement. Quand j'ai arrêté la compétition en 2002, je me suis dit, mais moi, qu'est-ce que je peux faire, ce sentiment de responsabilité individuelle. Et les plastiques dans le milieu nautique, on connaît bien, puisque 80% de nos bateaux sont construits en matière plastique. Et donc, j'ai essayé avec d'autres, avec des scientifiques, de trouver des alternatives à ce verre polyester. Et avec d'autres, on a commencé à travailler sur des alternatives qui étaient des matériaux biosourcés. Je travaillais notamment avec l'Université de Bretagne Sud, le professeur Christophe Ballet, qui en fait sa spécialité, vraiment qui est un expert du sujet depuis une trentaine d'années. Et finalement, donc l'espoir, parce que lui m'ouvrait une fenêtre sur l'avenir. L'abattement, parce que aujourd'hui, alors que ça fait 20 ans que je connais ses travaux, on a réussi à sortir quelques coques en matériaux biosourcés. En 2010, on a sorti une coque totalement compostable en lin et en fibre de lin et en PLA. C'est un abidon de dérivé de la pomme de terre ou du maïs. Mais à ce jour, aucun bateau de course n'est construit en matériaux biosourcés. On n'a pas encore composté un bateau. Mais l'espoir... enfin est né cet éco-organisme, la PER, qui va s'occuper de recycler nos bateaux en plastique qui envahissent nos ports et même nos champs ou nos garages, etc. Beaucoup d'enthousiasme quand nous avons lancé ce projet Voilier du futur, et puis aussi la déception parce que nous n'avions été suivis par personne. Donc il faut du temps. Mais aujourd'hui, je me dis, quoi, ça fait... Si j'ai vu ces plastiques il y a 30 ans, en plein milieu de l'océan, et qu'il n'y a que 1% à la surface, qu'est-ce qui s'est passé pendant ces 30 ans à raison de 8 millions de tonnes par an? Vous imaginez le temps qu'il a fallu? Donc, progressivement, mon engagement s'est porté à la fois... Je me suis dit, bon, j'ai agi, j'essaie d'agir sur le terrain, mais il faut aussi soutenir le travail des associations. Et là, formidable, là, c'est là que l'espoir revient, c'est qu'il y a quelques années, l'une des premières que j'ai soutenues, c'était Isabelle Poitou, avec son association Terre-Mère, Isabelle, qui s'est intéressée il y a bien longtemps de ça aussi, elle n'est pas scientifique, mais elle a fait une thèse sur les déchets en mer, parce qu'elle trouve que c'est un marqueur intéressant de nos sociétés. Il y avait Surfrider, puis il y a eu Méditerranée en danger, et puis aujourd'hui, je découvre une foultitude d'associations mobilisées et toutes ces sciences participatives qu'on vient de découvrir, et puis bien d'autres. Moi, j'ai appris encore plein de choses aujourd'hui. Donc, à la fois beaucoup d'espoir et d'enthousiasme quand je vois tout ce qui se mobilise. J'ai envie de vous faire partager dans cette conclusion ma vision sur le sujet. Je suis absolument convaincue que l'approche doit être, et vous l'avez dit, elle doit être systémique. C'est-à-dire que
Aujourd'hui, je n'ai pas envie de focaliser, y compris sur ceux qui font du greenwashing, monsieur. Je pense qu'il y a quelques années, j'étais comme vous, ça m'agaçait. Eh bien, aujourd'hui, toutes les entreprises que j'ai vues se mobiliser, parce que depuis des années, les acteurs de l'eau qui ne sont pas aujourd'hui dans la salle, qui pourraient l'être, hein, qui commencent à soutenir les associations. Il y a 15 ans, quand je frappais à la porte de Veolia de Suez, ça ne les intéressait pas de parler des déchets. Aujourd'hui, les deux sont mobilisés sur le déchet, et y compris, on vient de parler des microfibres. Aujourd'hui, ces entreprises regardent comment, dans les stations d'épuration, on va pouvoir mieux filtrer les microfibres. Et puis aussi, toutes les micro-particules ou les macro-déchets, les petits macro-déchets qui passent encore dans les grilles de ces stations d'épuration. Donc, cette vision écosystémique, enfin, cette vision systémique, pour moi, elle inclut effectivement, elle commence bien évidemment en amont par... par ne pas produire, bien évidemment. Et ça, c'est un vrai sujet, de ne pas produire. Quand on produit par l'éco-conception, moi j'ai beaucoup travaillé avec l'Université de Bretagne Sud sur l'éco-conception, et de plus en plus, c'était intéressant parce que nous avions été soutenus dans notre projet Voilier du Futur par le groupe Total. Et j'étais vachement contente. Alors, on les met de côté, souvent, mais je suis désolée, c'est avec eux qu'il faut travailler. Le groupe Total était très intéressé par notre projet. Le directeur de la recherche, à l'époque, était un ancien président de l'IFREMER, et qui était intéressé par notre sujet. Il nous a fait rencontrer les scientifiques du groupe de recherche. Et en fait, ce qui est intéressant, et vous l'avez dit, ce qu'il faut, c'est arriver à réduire le nombre des molécules. Dans nos matériaux, dans nos bateaux qui sont en composite, la vraie problématique de recyclage, c'est d'arriver à extraire les différents composants du composite. Et tous ces bateaux qui font les tours du monde à des vitesses hallucinantes, le Solar Impulse qui n'aurait pas fait son tour du monde s'il n'avait pas été en matériaux en fibre de carbone, c'est dérivé du pétrole. Donc il ne faut pas stigmatiser les plastiques, absolument. Les plastiques rendent d'infinis services à la société, y compris d'un point de vue médical. Et bien, les chercheurs de Total nous avaient fait part de des avancées qu'ils avaient sur ces sujets-là. Ils disaient que sur l'idéal aujourd'hui, c'était d'arriver à n'avoir qu'une seule molécule, que ce soit à la fois pour l'âme du composite ou pour ce qu'on appelle les fibres. Un bateau, c'est fait en sandwich. Hein. Il y a une âme qui est du nid d'abeille, qui est dans un matériau plastique. Et puis, on met des tissus de carbone, de Kevlar autour de tout ça, et on badigeonne de résine. Je schématise. Mais si tous ces matériaux-là ne sont que dans la même molécule, en fin de vie, on va pouvoir faire quelque chose de bien plus pertinent. Donc, en amont, travailler sur l'éco-conception. Et puis après, il y a deux phases absolument cruciales qui sont les phases de vie des objets. Je ne dirais pas encore des déchets, hein, la phase de vie des objets. Et moi, je suis absolument persuadée qu'il faut travailler sur la traçabilité des objets. C'est-à-dire, il faut éviter que l'objet passe de la phase d'objet utile à la phase de déchets sauvages. Qui va rentrer dans là. Et ça, c'est un moment absolument essentiel. Et pour tout vous dire, pour témoigner de ce que j'ai vécu encore ce matin, responsabilité individuelle, je suis en plein déménagement. J'ai sorti mes archives de carton. Je m'aperçois que les classeurs, les dossiers que je garde depuis des années sont déjà en train de devenir... Le plastique devient déjà des micro-particules de plastique. Je suis allée chez Emmaüs ce matin. J'ai pris mon train. Ça a été long de venir vous voir. Et j'habite en Anjou. Je suis allée porter à la recyclerie la quasi-totalité d'objets dont je voulais me débarrasser. Eh bien, tout ce dont je n'ai pas pu me débarrasser, qui était justement ces matières plastiques, je n'avais plus qu'une benne devant moi, qui était le tout venant. Et le tout venant, il y avait marqué, en gros, que ça allait à l'enfouissement. Alors là, coup d'abattement ce matin, absolument formidable. Donc je reviens sur cette vision systémique. Il y a un moment, ce matin, j'ai vécu ce passage où mon déchet va devenir probablement un déchet sauvage. Et donc ce matin, je n'étais pas fière. Parce que je me suis dit, mais ce que je suis en train de mettre dans la benne du tout venant, bon sang de bonsoir, ça va probablement finir en partie en enfouissement, mais l'enfouissement, c'est la solution. Je ne crois pas.
Et puis au milieu de tout ça, ça va être, ça, le camion va partir avec, avec le gros container, etc. Et forcément, ça va partir dans la nature. Et donc, j'étais malheureuse, j'en pleurais presque en mettant le petit sac que j'avais à mettre dans... Bref. Après, il y a cette deuxième phase, et j'étais vraiment très intéressée par la solution de l'intelligence artificielle, qui est absolument essentielle, c'est quand le déchet est sauvage. Le déchet sauvage, eh bien, il est absolument important de le traquer. Et là, les collectivités territoriales ont un rôle formidable à jouer. Les agriculteurs, parce que les agriculteurs, ils ont plein de déchets qu'ils brûlent souvent. Moi, j'habite dans un milieu rural et je vois bien qu'on continue de brûler. Et donc, il faut travailler. Et là, la sensibilisation menée par les associations est absolument importante. Et là, je pense aussi que la valorisation, là encore, on en a parlé tout à l'heure, il faut valoriser les bonnes pratiques. Donc dans cette phase-là, il est véritablement important. Moi, je pense que si le déchet est traçable avant de devenir une microparticule de plastique, c'est peut-être plus facile d'éviter qu'il aille, enfin, ou en tous les cas, de l'identifier. Et jusqu'à la sortie des estuaires. Là, il y a effectivement un gros travail. Et là encore, abattement, mais espoir. Beaucoup, notamment des pêcheurs. Il y a des sujets, il y a des projets qui émergent sur récolter des déchets à la sortie des estuaires. Il y en a de plus en plus. Formidable. Après, les ramasser en haute mer. Alors au départ, moi, je disais, mais ça ne sert à rien. Mais non, parce que depuis quand parle-t-on véritablement de ce sujet au niveau international. Depuis que ce jeune Hollandais de 18 ans a sorti son aspirateur à déchets. Ben, cet aspirateur, moi je disais, mais qu'est-ce que c'est que ce bazar? À quoi ça sert? Je déteste cette appellation de continent de plastique, au passage. Continent, si c'était un continent, ce serait bien plus facile. Mais aujourd'hui, je pense que, bien... j'oublie tout le temps son nom. Voilà, j'ai pas entendu, mais Slad, il a eu la formidable... C'est lui qui a posé le sujet. Il y a des scientifiques qui avaient vraiment porté le sujet au niveau international avant lui. Mais il fait partie de ceux qui ont sensibilisé les médias, le grand public, etc. Donc son aspirateur, ben j'espère qu'il va pouvoir être utile un jour ou l'autre. Mais peu importe. C'est comme le greenwashing, peu importe. Une entreprise qui met le petit doigt parce qu'elle ira pour des raisons de communication, moi j'en ai vu plein, eh bien après, ils se sentent responsables. Ils font leur part du colibri, et voilà. Et donc voilà cette vision écosystémique, cette vision systémique. Pourquoi demander que l'océan soit reconnu comme un bien commun à l'humanité? Parce que justement, l'océan, c'est notre bien à tous. Si on arrive à faire comprendre à l'intégralité des êtres humains sur cette planète, alors là, c'est l'optimisme total de mon côté, que chacun d'entre nous a un intime est concerné par la bonne santé de l'océan, qu'on est tous, qu'il nous rend des services absolument formidables, les bienfaits de l'océan. Donc, il est notre bienfait à tous. Eh bien, si on arrive à faire reconnaître cela au niveau des Nations Unies, puisque c'est ça notre ambition, eh bien, ça va permettre de mobiliser toute la chaîne. Ça va permettre d'arrêter d'opposer, parce que on voit bien aujourd'hui les associations, c'est dur. Moi, j'étais dans le milieu associatif. Maintenant que je suis député européen, j'ai brutalement beaucoup de moyens. C'est extraordinaire quand on est. Mais je sors du milieu associatif où décrocher des budgets, c'était quand même pas simple. Mais on a besoin absolument de. On a besoin des initiatives et de l'énergie de tout le monde. Et c'est ça qu'on veut porter avec cette responsabilité individuelle et collective. Merci à Surfrider de l'avoir mis dans l'Ocean Call. Hein, véritablement, j'en suis très fière. Merci aussi, l'UICN nous a incité à déposer une motion dans le cadre du Congrès mondial de la nature. Et voilà, en tant que député européen, moi j'avais une question pour tous les intervenants de la précédente table et probablement pour les autres, et j'espère que vous viendrez me voir après. C'est qu'avec Pierre Karleskine, on est parti pour 5 ans dans cette aventure.
Si moi j'ai accepté aujourd'hui, si je m'engage aujourd'hui au niveau européen, eh bien c'est justement pour essayer de donner plus d'efficacité. Je pense que c'est le bon échelon pour trouver les leviers d'action. J'ai commencé à en trouver. Maintenant, je me dis quels sont les bons leviers. Où est-ce qu'il faut qu'on aille? Quelle serait la bonne directive européenne qui n'a pas encore été prise? Et là, moi, j'attends des idées parce que moi, j'en ai plein. Mais je pense qu'il faut arriver à structurer quels seraient les bons moyens d'action pour accélérer. Parce que 8 millions de tonnes par an, ce n'est pas possible. Et parce que je suis optimiste. Voilà, on va mettre en œuvre des solutions. Merci à vous. Alors, je suis venue quand même avec un cadeau pour l'équipe Surfrider. Le problème, c'est que dans ma valise, j'en ai un qui est tout neuf. Et là, c'est celui qui n'est pas tout neuf. Florent, est-ce que tu peux venir j'ai envie d'offrir le pavillon au Centre Bien Commun de l'Humanité à l'équipe de Surfrider. Voilà, comme ça. Non, tu le mets. Ah ben oui, tu le mets à l'endroit. Voilà, voilà. Mais alors, c'est celui qui a été porté. C'est celui qui a été porté sur notre bateau, et j'en ai un tout neuf dans mon sac. Il a vécu. Merci. Merci. Vous pouvez l'applaudir. Merci beaucoup, Catherine Chabot, d'être venue pour cette conclusion. Comme à notre habitude à Surfrider, on aime bien conclure les événements par un temps informel, un temps convivial, un temps autour d'un petit verre. Eh bien, bien sûr, voilà. Donc, c'est l'heure du cocktail. Désolé pour ceux qui nous suivent en streaming, comme à chaque fois. N'hésitez pas à ouvrir votre petite bière chez vous. Et pour les autres, continuons la discussion ensemble autour de ce cocktail. Merci encore une fois à tous les intervenants.